Bien, chers collègues, je vous propose que nous reprenions cette séance. Avec les amendements déposés par le groupe du Rassemblement national. 1, 2, 3, 4, 5, 6 amendements. Et le premier est défendu par monsieur, est présenté par monsieur Lutz. Donc peut-être que vous pouvez vous dispenser de lire l'intégralité. Hein ? Je pense que vous pouvez faire une synthèse. Je vous remercie, Madame la Présidente. Oui, je ne vais pas le lire, je vais même revenir sur la réponse de Monsieur Sauret, que je remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Effectivement, nous n'allons pas pouvoir répondre, à cette crise, mais aussi bien que vous savez nous rappeler pollueur-payeur, j'aimerais vous rappeler également que aujourd'hui cette crise énergétique, vous en êtes co-responsables, vous et les gouvernements. Mais si, c'est le sujet. Non, justement. Lutz, je vous ai demandé de présenter votre amendement. Mais mon amendement, il est là-dessus. Il est pour dire que les 3 millions ne suffiront pas et qu'on propose 24 millions. Voilà. Mais d'accord. Vous ne pouvez pas dire qu'avec 3 millions, vous faites quelque chose, je le répète. Aujourd'hui, je le dis pour M. Thuriot, le pétrole, est à 86 $ du baril. Quand il était à 115 en 2014, on payait le gasoil à 1,35 €, on le paye 1,95 €. Aujourd'hui, si vous allez sur le site d'Enedis, qui est accessible à tout le monde, mode expert, vous allez voir que cet après-midi à 15 h, on achète à 217 € le mégawatt, quand l'Espagne et le Portugal sont à 64. Donc vous avez la responsabilité, donc on vous demande de faire l'effort par rapport aux mauvais choix que vous avez faits, et notamment d'augmenter de 24 millions. On vous précise comment faire cette économie, pas en supprimant certaines choses, simplement en reportant. Quand on n'a pas les moyens de changer de voiture, on n'en change pas et on fait au plus pressé, c'est-à-dire dans une famille alimentaire et dans une entreprise de payer les factures. Voilà, donc je vous rappelle que vos 3 millions ne seront pas suffisants et qu'on vous demande de mettre beaucoup plus et que ce n'est pas la peine de nous rejeter la faute à nous. Je vous rappelle que vous voulez toujours cette transition écologique et que c'est elle qui nous a amené à la débâcle. Très bien, monsieur Lutz, donc vous proposez de remplacer des crédits d'investissement par des crédits de fonctionnement, donc c'est déjà une petite incongruité que je relève. Non, mais vous êtes au-dessus de tout ça, vous. Hein. Et puis, d'élus qui ne cessent de dire que la SNCF n'est pas à la hauteur, que le matériel manque, la première chose que vous proposez, c'est de supprimer l'investissement en matériel. Mais bon, à part ça, vous défendez cet amendement. Donc, je soumets votre amendement aux voix. Qui est pour cet amendement ? Donc, le Rassemblement national. Qui est contre ? Donc, l'ensemble des... Alors, les élus majoritaires et les élus progressistes. Et Monsieur Gorda et Madame... j'ai du mal avec votre nom. C'est Madame Majewski-Sansinena. Voilà. Donc, merci. Deuxième amendement, c'est Madame Grangier. Oui. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme vous l'avez compris, nous avons pu dégager 50 millions d'euros pour un soutien financier face à l'inflation. Donc, le pilier que je vais présenter est le deuxième volet social de ce plan à hauteur de 13 millions d'euros qui doit permettre de déclencher des aides pour les associations d'aide alimentaire. En effet, en France, 3,5 millions de personnes ont recours à une aide alimentaire prodiguée par les associations et notamment les banques alimentaires qui, depuis 35 ans, constituent le premier réseau d'aide alimentaire. Or, ces derniers mois, malheureusement, la demande de colis alimentaires a augmenté de 9%, avec des bénéficiaires qui subissent de plein fouet l'inflation et la précarité alimentaire. En effet, le besoin grandissant des aides alimentaires est causé par la hausse des prix de l'alimentation qui a bondi de 12%. Les familles avec enfants sont particulièrement impactées et on retrouve 70% de femmes qui sont bénéficiaires des banques alimentaires et 40% d'entre elles élèvent seules un ou plusieurs enfants.
En automne dernier, malheureusement, la collecte nationale organisée par les banques alimentaires a aussi connu une baisse des dons de 10%. Donc, hausse des bénéficiaires, baisse des dons. Donc, dans ce contexte de crise économique pour nos bourguignons et franc-comtois, il nous paraît, à nous, élus du groupe Rassemblement national, indispensable de soutenir les associations de distribution alimentaire, dont fait partie la Banque alimentaire, avec un soutien financier massif de 12 millions d'euros. De plus, il est démontré que la précarité alimentaire s'est accentuée chez les jeunes, apprentis et étudiants, malgré les aides apportées et la baisse... Pardon ? Merci. Malgré les aides apportées aux étudiants et aux apprentis et avec la baisse du coût de la restauration étudiante, malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre aussi sur les lieux de distribution des banques alimentaires. C'est pourquoi nous, élus du Rassemblement national, nous souhaitions créer, avec un budget d'un million d'euros, un chèque inflation jeune qui viendrait soulager leur quotidien. Voilà. C'était deux propositions, 12 millions d'euros pour les banques alimentaires, 1 million d'euros pour les étudiants et apprentis. Merci Madame la Présidente. Bien, nous allons forcément voter contre parce que nous ne voulons pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Vous supprimez les crédits de l'économie sociale, la rémunération des stagiaires. Je veux dire, vous imaginez aussi la situation dans laquelle seraient les stagiaires demandeurs d'emploi s'ils ne bénéficiaient pas effectivement de l'intervention de la région. Donc, nous voterons contre. Je pense que vous votez pour, mais votre amendement est rejeté. Ensuite, stop aux faux discours sur l'attractivité. C'est ça le prochain ? Ah non, 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 non. Vous avez un amendement relatif à la fiscalité indirecte d'abord. Je ne sais pas qui est-ce qui le... Monsieur Lioré, non ? Monsieur Lioré. Merci Madame la Présidente et chers collègues. Je voudrais avant tout rappeler que le tarif des cartes grises a été fusionné au 1er janvier 2017 avec une augmentation de 15 euros, 42% d'augmentation pour les franc-comtois. Une mesure injuste, bien sûr, qui a pesé davantage sur la fiscalité, mais qui est une mesure qui a aussi pénalisé toute la filière automobile. Une industrie automobile qui traverse une crise historique, avec un recul des ventes de voitures neuves de 8% en 2022 par rapport à 2021, et pour ne citer que les marques françaises, Citroën moins 20%, Peugeot moins 14%, Renault moins 12%, et pire encore, si on compare à 2019, l'année d'avant Covid, moins 31, c'est-à-dire 700 000 véhicules neufs immatriculés de moins. Le bien public de lundi disait la pire année depuis 50 ans en termes de vente de voitures. Donc on a une industrie automobile qui est complètement sinistrée. Par ailleurs, la fin de l'exonération des cartes grises sur les véhicules hybrides, enfin les véhicules dits propres, à compter du 1er juillet, sanctionne des automobilistes qui vont être une nouvelle fois transformés en véritables vaches à lait fiscales. Et tout ceci s'ajoute à un matraquage gouvernemental insupportable des automobilistes avec un prix du carburant qui, maintenant, depuis quasiment 2 ans, est aux alentours des 1,90 euros et 2 euros, il n'y a plus d'aide du gouvernement, soit 60 centimes de plus et de manière maintenant pérenne, constante, de pénalité pour les automobilistes. À souligner que dans ces 60 centimes supplémentaires, il y a 60% de taxes, ce qui veut dire que la taxation, parce qu'on dit que l'essence est chère, mais la taxation sur ces 60 centimes de plus, c'est entre 30 et 35 centimes. Et les mesures qui sont apportées par le gouvernement pour aider les travailleurs parmi les foyers les plus pauvres ne vont rien résoudre, puisque le gouvernement va offrir 100 euros par an à un travailleur modeste, c'est-à-dire 1,92 € par semaine, c'est-à-dire juste de quoi se payer un litre de carburant. Ce qui est complètement dérisoire, je le dis aussi à l'attention de nos collègues de La République En Marche.
Donc, cet amendement vise à rendre 24 millions de pouvoirs d'achat aux automobilistes bourguignons et franc-comtois, et c'est le sens du présent amendement. En fixant un prix du cheval fiscal plus bas, et nous le verrons dans un deuxième amendement que nous déposons demain, et en maintenant l'exonération de carte grise sur les véhicules dits propres. Ceci est rendu possible par les économies budgétaires générées sur les programmes non prioritaires de notre point de vue, qui n'est peut-être pas votre point de vue, la politique de la ville, l'Europe et l'international. Qui vote contre ? Votre amendement est rejeté. Stop aux faux discours sur l'attractivité. Monsieur Ricciardetti. Merci, Madame la Présidente. Sans doute dans la précipitation, mais tout le monde a sans doute bien lu avec attention l'exposé des motifs de cet amendement. Alors nous, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, on essaye d'être utile et efficace. Car oui, les faits sont têtus, Madame la Présidente. Notre région ne parvient pas à être attractive et perd des habitants. Alors à quoi sert votre programme d'attractivité régionale ? L'emploi industriel recule, l'avenir de la filière automobile, la marche forcée vers le tout électrique a de quoi inquiéter. Où est l'attractivité régionale ? Et la maigre victoire dans l'hydrogène de Forêt CIA à Bavent a du mal à masquer notre absence de grands projets d'investissement nationaux, la batterie électrique par exemple, qui part dans les Hauts-de-France, les semi-conducteurs envolés dans une autre région. Mais où est donc notre attractivité régionale ? Les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté augmentent dans notre région. Le revenu moyen stagne et je dirais même qu'il recule, car l'analyse fine des chiffres, on constate que s'il ne baisse pas, c'est simplement grâce aux 35 000 travailleurs frontaliers qui vont travailler en Suisse tous les matins. Et oui, Madame la Présidente, chers collègues, vu de Nevers, la Suisse, c'est pourtant bien loin. Et là, encore une fois, où est l'attractivité régionale ? Qu'est-ce que vous y faites ? Sans salaire attractif, sans perspective, nos compatriotes n'ont pas d'autre choix que de migrer dans une autre région que la nôtre. Oui, je dis bien migrer. Alors oui, Madame la Présidente, chers collègues, stop au discours convenu et du volontarisme que diable dans nos politiques régionales. Cessons d'encourager la migration de nos compatriotes bourguignons et franc-comtois en validant de faux discours de programme sur l'attractivité régionale. Donc je vous donne pas le détail de ce que nous avons pu récupérer. Hein. Vous l'avez sur l'exposé des motifs. Merci. Voilà. Merci, Monsieur Ricciardetti. Quand Energistro, qui a investi 15 millions sur Belfort, vient, alors je ne sais plus de quelle région ils viennent, mais en tout cas, ils ne viennent pas de notre région, Centre-Val-de-Loire, ils sont attirés, comme par hasard, effectivement, par la compétence qu'il y a sur la région de Belfort. Quand Génie, qui vient de la région parisienne, arrive dans le pays de Montbéliard, quand ITEN arrive de PACA à Chalon, derrière tous ces projets extrêmement forts, c'est plusieurs centaines d'emplois. Là, en quelques mois, bon, je peux vous répondre que l'attractivité, c'est aussi cela. Et qu'on pourrait peut-être imaginer que si on ne faisait pas cela, les choses seraient sûrement encore pires. C'est trop facile, trop facile. Oui, nous ne sommes pas les régions les plus attractives de France. Vous le savez aujourd'hui, les régions les plus attractives de France, ce sont celles qui n'ont pas le poids des restructurations industrielles que nous avons, nous, sur nos épaules. Nous, c'est Hauts-de-France, c'est Grand Est, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Ben là, effectivement, les régions de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine, des Pays de Loire n'ont pas ces antécédents-là. C'est beaucoup plus facile pour ces régions. Bon, voilà. Alors, votre amendement... La tête de la région, ça n'attirait pas beaucoup. Donc, l'amendement est... Qui le vote ? Qui le rejette ? Amendement rejeté. Alors ensuite, c'est toujours Monsieur Ricciardetti, oui, sur la formation professionnelle. Voilà, au risque de vous lasser, hein, bien évidemment, mais c'est toujours moi. Donc effectivement, là, je voudrais revenir sur le budget de formation linguistique. Vous allez dire que c'est un totem. C'est un totem, mais là, encore une fois, je rappelle que votre formation linguistique... peut-être même pas la peine que vous le présentiez. Non, mais écoutez, je suis désolé. La démocratie, madame, elle est pour vous comme pour nous, oui. S'il vous plaît. Mais voilà, exactement. Puis c'est vrai qu'à force de répéter les choses, exactement. Effectivement, oui, c'est s'imprime. La vertu de la pédagogie, madame la présidente, la répétition. Donc je vous le répète et je le dis à tous et haut et fort,
La collectivité a payé plus de 27 millions d'euros depuis mars 2016 pour la formation des migrants. Alors je reviens... Je fais un parallèle avec l'attractivité, parce que si vous voulez que l'attractivité de notre Bourgogne-Franche-Comté ne soit que pour les migrants, continuez comme ça, Madame la Présidente. C'est terminé. Pour nous, ce sera toujours la priorité des Bourguignons et des Franc-Comtois. Vous en déplaise. Ils ont besoin de se le rappeler pour l'histoire. Bon. Alors, vous avez compris que nous rejetons votre amendement. Alors, qui vote pour, quand même ? Voilà. Donc, nous, nous le rejetons. Alors, ensuite, amendement présenté par Madame Grangier sur le plan de compétitivité des agriculteurs. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, je ne peux pas me réjouir, comme Monsieur Moret, avec 17,89 millions pour les agriculteurs. Je pense que c'est largement insuffisant, d'autant plus que vous proposez d'abaisser de 47% le soutien financier au plan de compétitivité à destination des producteurs. Vous avez bien noté dans votre rapport que l'agriculture en région BFC était un secteur économique essentiel pour notre territoire, un secteur qui représente 4% de la valeur ajoutée. Ça compose pratiquement la moitié de notre territoire. Les terres agricoles sont riches de leur diversité d'exploitation avec des filières reconnues dans le monde entier. Aussi, afin de sauvegarder notre souveraineté alimentaire, notre région a le devoir de protéger nos agriculteurs, nos filières et de les soutenir financièrement. Soutenir les jeunes agriculteurs dans le développement de leur entreprise et la reprise d'exploitation sur l'ensemble du territoire semble être indispensable financièrement. Toutefois, il est impératif de favoriser et soutenir prioritairement les demandes d'autorisation d'exploiter des agriculteurs français directement mis en concurrence avec des exploitants étrangers. Les terres agricoles françaises doivent être exploitées par des Français. Je prends pour exemple, eh bien oui, messieurs, dames, les terres agricoles françaises doivent être exploitées par des Français, parce que sinon, c'est une perte réelle pour notre territoire. Je prends pour exemple les agriculteurs français mis en concurrence directement avec des agriculteurs suisses dans le Nord-Franche-Comté pour la location et l'exploitation des terres agricoles. Malheureusement, les Suisses sont toujours prioritaires sur ces terres et bien entendu, ils ne produisent pas pour la France. Pour une juste rémunération de nos exploitants, il semble nécessaire d'inciter financièrement les collectivités pour qu'elles puissent fournir aussi 100% de produits locaux dans les cantines. Désormais, avec la hausse des prix, on se rend compte que les consommateurs n'achètent plus dans les magasins spécialisés. Effectivement, à l'image malheureusement du magasin de producteurs Cœur Paysan que vous connaissez bien, Madame la Présidente, Cœur Paysan à Sochaux a été obligé de fermer ses portes le week-end dernier, faute de clients. Les gens ne vont plus acheter, c'est trop cher. Aussi, dans ce contexte de hausse de prix de l'énergie, du fourrage et des céréales, pour le groupe Rassemblement National, il semble indispensable que les agriculteurs soient aidés par une dotation supplémentaire de 2,6 millions d'euros. Et nous les avons trouvés, évidemment. Nous les finançons par la suppression des programmes de l'Europe internationale et le Césaire. Merci, Madame la Présidente. Alors, le plan de compétitivité dont vous parlez, c'est précisément le plan de l'Europe. Hein ? Et donc, vous êtes en train d'analyser un programme qui se déroule sur 5 ans, hein, puisque la nouvelle PAC, elle est sur 5 ans. J'ai expliqué ce matin dans mes propos liminaires que cette nouvelle PAC, qui est d'ailleurs profondément augmentée, comme l'a dit le vice-président à l'agriculture, elle va s'accompagner d'un budget supplémentaire de la part de la région qui, sur 5 ans, sera de 25 millions. Parce que nous allons prendre à notre compte des choses qui étaient auparavant financées par l'Europe, tout cela pour simplifier l'accès aux aides pour les agriculteurs. Donc, vous regardez sur 6 mois un programme qui est sur 5 ans. En plus, vous proposez de supprimer des financements européens pour financer ce que vous nous dites, alors que c'est précisément l'Europe qui finance ce programme. Donc, nous voterons bien sûr contre votre amendement. Alors, qui vote pour ? Ah ben, je peux déjà faire voter contre avant, hein ?
Donc, nous votons contre, vous votez pour. Ensuite... Ah ben, c'est terminé pour les amendements. Donc, nous allons reprendre les débats, cette fois-ci après l'axe 1, qui était consacré à la formation, à l'emploi et à l'économie. Nous sommes sur l'axe 2, transition écologique, énergétique, adaptation climatique et numérique. Et nous aurons, au terme du débat, donc pour le débat, deux interventions par groupe, ensuite les vice-présidents qui répondent, et nous aurons ensuite quatre amendements du Rassemblement national. Alors, qui intervient pour le Rassemblement national ? Madame Lopez ? Et puis ? Monsieur Laval, d'accord. Ensuite, Madame Barre. Et puis, Monsieur Normier. Monsieur Rochette. Madame Barthélée. Et puis, Claude Mercier, chez Les Verts, Stéphanie Mode, Stéphane Wojnarowski, et puis Denis Hamot. Alors, Madame Lopez. Ah, j'ai oublié, pardon. Alors, Dominique Longchamp et Lazare Carr. Gilles Lazare. Très bien. Gilles Lazare, c'est bon, c'est noté. Alors, Madame Lopez. Merci, Madame la Présidente. Alors, mes chers collègues, donc, pour l'efficacité énergétique, vous investissez 13 415 250 euros. Donc, concernant le dispositif EFI-Logis, ça pourrait être un outil formidable. Seulement, les particuliers les plus précaires n'arrivent pas à accéder à un emprunt, même avec l'aide du crédit de la région. Pour un couple au RSA, l'emprunt est automatiquement refusé par la banque et le risque de surendettement plane. Par conséquent, la situation leur impose de rester dans des logements énergivores. Pour un couple non imposable avec enfant qui obtient un crédit, l'aide des filogis sera de 800 euros, voire le prix d'une fenêtre. Nous vous avons déjà averti, mais vous êtes resté sourde à nos appels et aujourd'hui, vous nous avisez d'une nouvelle approche de communication pour mi-2023. Que de temps perdu. Pour les ENR, donc vous partez sur 4 520 000 euros annoncés dans votre budget. Dans la continuité du saccage de l'éolien, que vous souhaitez d'ailleurs multiplier par 4,7, donc j'en profite pour féliciter le CRECEP qui a obtenu quand même du tribunal administratif gain de cause concernant le schéma du Stradé. Je referme la parenthèse. Vous soutenez maintenant celui du photovoltaïque. Un bon outil, sauf s'il en vient à être de l'agrivoltaïsme. C'est-à-dire à occuper des terres agricoles qui, par lâcheté politique, sont devenues des terres à faible rendement et à l'entretien des ovins qui se terminent parfois mal. Dans votre présentation, vous vous référez au conseil de l'ADEME. Pourtant, ce dernier recommande de limiter le développement des centrales photovoltaïques aux surfaces bâties existantes, aux zones anthropéisées telles que les ombrages de parking ou bien encore aux zones de friches industrielles polluées. Vous investissez ensuite 1 770 000 euros dans la politique de l'énergie, mais vous nous expliquez que pour être à 100% de renouvelables, nous devons importer. Car sur le papier, nous ne produirons que 77% d'énergie. Ces mêmes 77% se fondant uniquement sur la capacité théorique et non la capacité réelle des ENR. Ainsi, dans notre région, la différence entre la puissance affichée et celle de production réelle pour l'éolienne est colossale. Une production inférieure à 75% de ce qui est annoncé. Nous constatons par ailleurs votre manque d'implication dans les nouvelles formes d'énergie comme la géothermie. Pour la méthanisation, nous vous invitons à créer un institut de contrôle afin de lutter contre les dérives. Il est absolument inimaginable pour nos compatriotes qui se privent de repas de voir des fruits et légumes consommables finir en chauffage et des millions d'euros engloutis alors qu'eux se privent par manque de pouvoir d'achat. Est-il nécessaire d'investir encore plus dans une communication positive sur les ENR, de se faire un appel aux fameux potes dont on ne sait pas trop l'utilité réelle? Soyons honnêtes, cette communication est idéologiste car vous vous faites la porte-parole des promoteurs et des lobbyistes
Est-ce vraiment le rôle de la région ? Et donc, pour finir, la transition énergétique va coûter aux Bourguignons et aux Franc-Comtois 17 935 250 euros. Mais à quel moment vont-ils voir leur facture d'énergie baisser ? Merci, Madame la Présidente. Ah, ça marche. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Permettez-moi de concentrer pour ma part mon intervention sur la question des mobilités. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous donner un bon point, celui de maintenir le niveau de desserte sur le réseau ferroviaire ainsi que sur le réseau urbain, dans un contexte où les prix de l'énergie flambent, ce qui augmente mécaniquement, et vous l'avez dit à de nombreuses reprises, les charges de la région. Il me semble en effet essentiel que le nombre de communes desservies ne diminue pas, pour encourager les habitants de notre région, d'une part, à privilégier les transports en commun, et d'autre part, pour éviter qu'ils ne se reportent sur la voiture, qui est mécaniquement plus polluante et plus coûteuse. Mon bon point s'arrêtera cependant là, car on ne peut à cet égard que condamner la décision que vous avez prise que d'augmenter unilatéralement les tarifs sur les billets TER de 1 euro pour les trajets occasionnels, et ce pour toutes les tranches kilométriques, peu important que le trajet soit long ou court. C'est une faute et un non-sens. Un non-sens d'abord. Décider une augmentation tarifaire qui s'applique uniformément, peu importe le trajet, c'est naturellement décourager les usagers à prendre le train, notamment pour les petites distances. Une faute ensuite, dans une région frappée par tant de chômage, tant de pauvreté, dans une région qui se paupérise à vitesse grand V, on ne peut pas augmenter le prix des billets de train. C'est vraiment prendre à la gorge des milliers de Franc-Comtois et de Bourguignons qui pourraient pourtant être tentés de prendre le TER car l'essence et le diesel sont devenus trop chers. Vous me proposerez sûrement que le prix de l'électricité augmente, que les charges de la région augmentent également et qu'il faut bien trouver de l'argent quelque part. Je l'entends, mais cet argument serait entendable si vous étiez un tant soit peu cohérent dans la mise en musique de vos politiques. L'exemption totale de taxes sur les cartes grises pour les véhicules électriques, par exemple, que vous avez précédemment évoquée, en est un exemple criant. Vous privez la région d'une ressource alors qu'on se le dise, seuls les plus fortunés d'entre nous, qui sont généralement d'ailleurs les mêmes qui font des grandes leçons d'écologie à nos compatriotes, peuvent s'acheter ce type de véhicule. En revanche, les plus modestes qui, eux, doivent s'acheter un véhicule thermique pour simplement se déplacer et aller travailler, en seront pour leur poche et continueront de payer cette taxe. L'éco-socio-conditionnalité, pour reprendre vos termes, c'est bien, mais en période de crise, on privilégie et on protège les plus modestes. C'est du bon sens. Ces incohérences vous décrédibilisent. Un dernier mot enfin, pour terminer sur une petite touche acide, et surtout pour vous rappeler notre ferme opposition à toute ouverture à la concurrence des TER dans cette région. Vous rappelez votre objectif d'une ouverture totale à la concurrence en 2027, tout en envisageant une ouverture progressive qui pourra intervenir pour partie dès 2024. L'ouverture à la concurrence, on sait ce que ça donne, on l'a vu dans les autres pays. Moins de dessertes, des tarifs plus élevés, des investissements qui ne se font pas, des accidents en pagaille. On l'a vu en Angleterre, qui a ouvert la concurrence et privatisé son train et qui a dû tout recentraliser sous un opérateur public unique ces dernières années. On ne pourra d'ailleurs que s'étonner que cette région de gauche s'inscrivent dans les pas des pires néolibéraux. Mais c'est sûrement en raison de vos incohérences dans cet hémicycle, comme à l'Assemblée nationale, que notre région Bourgogne-Franche-Comté est une des dernières sous pavillon socialiste. Vos incohérences et vos augmentations tarifaires motiveront donc un vote contre de notre groupe d'un budget 2023 qui n'est décidément pas sur les rails. Je vous remercie. Alors, je ne me souviens plus, ensuite, Madame Barre. Merci, Madame la Présidente. Pour le pouvoir d'achat des Bourguignons franc-comtois, on compte plusieurs mauvaises nouvelles dans ce budget. Elles ne rapporteront pas grand-chose aux finances de la région, mais elles ne simplifieront pas les fins de mois des étudiants ou des ménages les plus modestes. Alors, trois exemples de coups durs dans le pouvoir d'achat des Bourguignons franc-comtois. La baisse de 500 à 300 euros de l'aide au permis de conduire pour les jeunes de Bourgogne-Franche-Comté. La hausse des tarifs de TER envisagée entre avril et juillet prochain sur tous les voyages. Les voyageurs paieront leurs billets plus chers pour des conditions de voyage toujours plus dégradées. Et le retour de la taxe sur les cartes grises pour les véhicules hybrides. Je voulais revenir sur la hausse
des tarifs de TER et je suis curieuse de savoir à combien vous estimez les gains liés à la hausse du tarif de TER. Je vais citer votre homologue de la région Hauts-de-France. Pas question d'augmenter le prix du billet de TER et des abonnements parce que la qualité du service n'est pas au rendez-vous. La qualité du service est-elle vraiment au rendez-vous pour les voyageurs dans le nord de la Bourgogne ? Je cite encore l'homologue de M. Neugnot dans le Grand Est. On a décidé de mettre en place un bouclier tarifaire pour les usagers, abonnés ou occasionnels. On ne veut pas aggraver la situation dans la période actuelle. Et enfin, votre homologue d'Occitanie, l'heure n'est pas aux augmentations. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est bien l'heure des augmentations. 5% pour les abonnés, 1 euro pour les voyageurs occasionnels, quelle que soit la longueur du trajet. Pour un abonné mensuel Paris-Auxerre, c'est un surcoût annuel de plus de 150 euros. On regardera avec attention la mise en place d'un abonnement jeune à 50% du coût de l'abonnement en juillet prochain. Actuellement, tout est fait pour décourager nos jeunes étudiants à Paris ou à Dijon de rentrer en Bourgogne-Franche-Comté au sein de leur famille. Il leur faut braver des trains aussi bondés que les rames de métro. Il leur faut débourser plus d'une trentaine d'euros pour un aller-retour Paris-Auxerre. C'est beaucoup pour un budget étudiant et c'est plus que ce que paie un voyageur adulte avec la carte Bourgogne-Liberté les jours de week-end. J'ai écouté avec attention le vice-président Nicolas Seret. Votre vision de la solidarité, c'est que chacun doit contribuer en fonction des moyens qui sont les siens. Et nous vous faisons une proposition que ce nouvel abonnement jeune soit gratuit pour les étudiants boursiers. Et c'est par de telles mesures qu'on réussira à convertir encore davantage nos jeunes au train. Merci. Merci, on y reviendra. Je ne vais pas faire voter l'augmentation des tarifs ni aujourd'hui ni demain. Je dis qu'effectivement, on va aller vers cela. Et effectivement, j'ai donné une fourchette autour effectivement de 5% pour les abonnés. Je rappelle que les abonnés payent la moitié de leur billet, puisque c'est l'entreprise qui paye le reste. 1 euro, effectivement, pour les occasionnels, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins fort que l'augmentation réelle. Vous auriez pu citer aussi l'Île-de-France, qui augmente de 12,5% les tarifs. Nous, on n'est pas là-dedans. Et effectivement, quand je vous ferai voter cette mesure, je l'accompagnerai d'une mesure, effectivement, en direction des jeunes, parce que nous voulons, effectivement, faire en sorte que les jeunes ne soient pas, mis en difficulté et pénalisés par cette mesure, mais qui n'est qu'une mesure, mais même pas de rattrapage, puisqu'on est en dessous de l'évolution des coûts, en dessous. Comparé d'une région à l'autre, mais vous n'avez pas été voir si Occitanie, Grand Est ou Hauts-de-France, par ailleurs, avaient des abonnements aussi intéressants que les nôtres. Voilà, donc c'est toujours difficile, toujours délicat, l'exercice de la comparaison. Mais vraiment, ce qui me semble important, c'est que vous voyez bien que l'augmentation que je vais proposer, elle est en dessous de l'augmentation des coûts, en dessous. Et puis surtout pour les jeunes. Donc, soyons modérés quand même dans nos propos. Mais on y reviendra, puisque je donnerai la parole, bien sûr, à Michel Neugnot. Alors, je crois que c'est Monsieur Normier, maintenant. Monsieur Normier. Madame la Présidente, le tribunal administratif de Dijon a statué le 12 janvier dernier sur une action introduite par un collectif de 380 associations et personnalités de Bourgogne-Franche-Comté visant à voir annuler le Stradet. Le tribunal a rendu son jugement et dans son article 1, il est extrêmement clair, il indique « Le Stradet, adopté en juin 2020, est annulé.
car il ne comporte pas de diagnostic des continuités écologiques, ni de plan d'action stratégique, ni d'atlas cartographique à l'échelle de la région. Dans son article 32, toujours en termes de faits, les considérants rappellent, je cite, ouvrez les guillemets, que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Fermez les guillemets. Le jugement poursuit, ouvrez les guillemets, qu'il est dérogé au principe de la rétroactivité de l'annulation contentieuse à titre exceptionnel au motif de l'intérêt général. Fermez les guillemets. L'application de ce jugement est donc différée au 1er janvier 2025. Ces longs considérants démontrent que le jugement est assez explicite sur cette décision argumentée, précise, forte. C'est l'annulation sans réserve. Je précise d'ailleurs que ce jugement constate que sur 33 des objectifs du Stradet, 19 sont basés sur de fausses bases et ne peuvent donc être mis correctement en application. Un premier constat peut être fait. Le jugement précise que si les chapitres de la biodiversité existent bien dans votre document du Stradet, la réalité de leur considération n'est pas démontrée. Les annexes, censées exposer le fond des études, sont, je cite, « inadaptées ». À titre d'exemple, deux atlas juxtaposés, celui de la Bourgogne et celui de la Franche-Comté, ne font pas la continuité écologique du territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les annexes, ce n'est pas rien. C'est cela, d'ailleurs, qui a conduit à l'annulation. Alors, vouloir réduire ce jugement à trois fois rien au motif que ça ne concerne que les annexes, c'est un peu fort vis-à-vis d'une décision de justice qui évoque et qui conclut à l'annulation. Et par ailleurs, la défense, la région dans sa défense, se justifie en indiquant, chose remarquable, je cite là encore, un manque de temps. Et c'est ça la considération que la région veut donner à la biodiversité, un manque de temps, un vrai mantra vide. Les écologistes, j'imagine, apprécieront ce que l'on fait de la biodiversité. Notons aussi que la région, dans ce long processus du Stradet, a fait appel à des experts qui ont permis de réaliser la construction de ce Stradet. La prestation a été assurée par Negawatt, un coût élevé pour la région. Est-ce que, pour nos finances, est-ce que cette prestation aurait été superficielle ? Le deuxième constat, le tribunal mentionne clairement un défaut de communication dans votre démarche Stradet. Le juge dit, je cite, « En outre, le public a été privé d'une information lui permettant de s'exprimer d'une manière suffisamment éclairée sur ces enjeux. » Alors permettez-moi de vous rappeler que le Code de l'environnement prévoit et oblige une large information du public, ce qui, en principe, ne peut être fait que dans le cadre d'une enquête publique. Cela a pour conséquence que la région devra effectuer une révision du Stradet et qu'elle ne pourra pas se contenter d'une simple modification. Enfin, je voudrais citer M. Houlet, lorsque je vous interroge en commission 4 sur la suite à donner par la région sur ce jugement, vous déclarez réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel sur cette décision. Alors là, moi, je suis choqué. Est-ce que ça signifierait que la région n'accepte pas l'analyse des juges, que ce que disent les juges sur cette écologie maltraitée dans vos documents, c'est là votre vision de l'écologie, une vision juridique exclusivement ? Cette décision, à nos yeux, impose une action correctrice de la part de la région. Notre groupe est impatient de voir de quelle façon vous allez apporter votre réponse et nous serons donc vigilants sur ce traitement. Enfin, j'entends dans la presse, Madame la Présidente, ces jours-ci, que vous indiquez que ce n'est qu'un épiphénomène. J'ai terminé. À ce titre et au titre de tout ce qui précède, j'ai honte pour la région. Et moi, je peux vous dire que je suis fière du travail qui a été réalisé à travers ce Stradet. Je suis fière du travail qui est conduit par le vice-président autour de ce Stradet qui structure véritablement nos politiques d'aménagement du territoire. Alors, contrairement, monsieur Normia, à tout ce que vous venez de dire, non, l'ETA n'a pas annulé. Ah ben moi, je peux vous dire, non, l'ETA n'a pas annulé le Stradet. Le TA a demandé une modification que nous avons jusqu'au mois de janvier 2025, je crois, à faire, non pas sur le corps du Stradet, mais sur une annexe qui est relative aux continuités écologiques, ce qui nous amènera simplement à une modification du Stradet. Et nous avons jusqu'au mois de janvier 2025 pour faire cela. Donc attention, parce que là, quand vous dites que vous avez honte, moi je pourrais vous rétorquer
que j'ai honte quand des élus transforment la vérité. La vérité. Non. La vérité. C'est une annulation. Il n'y a pas d'annulation du SRADET. Il y a une demande de modification du SRADET sur les continuités écologiques qui sont une annexe du SRADET. Je le répète puisque c'est la vérité. Donc, j'arrête. Nous revenons. C'est moi qui donne la parole. Nous revenons au débat. Vous avez affirmé des choses. Je vous réponds en vous disant que vous vous trompez et qu'il n'y a aucune annulation du SRADET. Et heureusement, parce que vu le travail, il n'y a aucune annulation du SRADET. Non. L'arrêté du préfet est annulé. Non. On viendra sur ce sujet avec le vice-président tout à l'heure. Mais je tenais quand même dès maintenant à vous dire, monsieur Normier, que vous n'avez pas les termes justes. Le tribunal a prononcé une modification, a demandé une modification de l'annexe, pas le SRADET. Et vous, c'est l'annulation du SRADET. C'est non, et c'est non, et c'est non. Monsieur Saunier, une seconde, normalement vous n'avez pas la parole. Qui vient d'être exposé, si la région et si vous, Madame la Présidente, vous décidez de faire appel, c'est le droit qui prédomine. Donc, le droit de l'appel est absolument imprescriptible. Et donc, ce n'est pas normal de venir dire que la région ne fait appel. Ce n'est pas normal qu'elle fasse appel. Mais la région ne fera pas. Ce ne sera pas normal que... Vous êtes contre. Mais c'est une ridicule. Il ne nous est pas demandé de revoir la copie, il nous est demandé de modifier une annexe. Nous avons jusqu'au mois de janvier 2025 pour modifier cette annexe. Nous le ferons et surtout cela n'empêche pas le débat. Non. Il n'y a pas d'annulation du SRADET. Il y a annulation de la délibération. Monsieur Platré, s'il vous plaît. Alors, la suspension de séance, c'est 3 minutes, hein, pas plus. Hein.
matin, nous reprenons. Donc, on va continuer les débats. Alors, après Monsieur Normier, il y avait Monsieur Rochette. C'est pas grave, ils ont parlé. Monsieur Rochette. Oui, on se sent un peu seul là pour causer, mais on va peut-être laisser nos collègues arriver, si vous êtes d'accord. Non ? Bon, allez, d'accord. Alors, je continue, Madame la Présidente ? D'accord, merci. Je ne veux pas écarter le sujet. Bien. Nous reviendrons sur le sujet. Au moment du débat, là, j'entends effectivement les différents orateurs sur les différents sujets et sur le sujet du SRADET, bien évidemment, Monsieur Platré, que nous y reviendrons. Monsieur Rochette. C'est de droit. Voilà, Monsieur Rochette. Monsieur Rochette, je lui ai donné la parole. Oui, vous l'aurez. Vous l'aurez. Non. Monsieur Platré. J'avais donné la parole à Monsieur Rochette avant que vous n'arriviez. Et Monsieur Platré, allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comme je vous l'ai dit, je serai bref. Nous n'aimons pas être traités de menteurs. Et par conséquent, je vais vous donner lecture de l'article de la décision de justice de vous contester notre interprétation. Il est très simple, et je le diffuserai d'ailleurs à l'ensemble de la presse pour que les choses soient transparentes, car on ne peut pas laisser dire que les choses vont comme vous les avez faites. Article 1er, c'est la décision du tribunal administratif. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la région, adopté par délibération du Conseil régional des 25 et 26 juin 2020, ainsi que l'arrêté du préfet de la région du 16 septembre 2020 qui approuve ce schéma et sa décision implicite du 17 janvier 21 de rejet de recours contentieux sont annulés. Le schéma est annulé. Continuez, voilà. Monsieur Platré. Mais je peux continuer tant que vous voulez. En tant que ce schéma ne comporte pas en annexe un diagnostic du territoire régional, une présentation des continuités géologiques. Donc, les raisons de l'annulation. Est-ce Monsieur que je peux aller Platré, jusqu'au bout? Je vais jusqu'au bout. Allez jusqu'au je bout. Vais jusqu'au bout. Un plan d'action stratégique, un atlas. Cette annulation, je passe une ligne, peu importe. Non. Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2025. C'est le considérant numéro 32. Il est très clair dans la décision du juge, quoi qu'on vous en ait dit, Madame la Présidente, que le SRADET est annulé et que nous avons jusqu'au 1er janvier 2025 pour nous mettre en conformité, car après cette date, la décision du juge deviendra effective. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, dire qu'il n'a pas été annulé. Les mots sont les mots. Le juge a décidé d'annuler ce document. Donc vous pouvez transformer la vérité. Je pense d'ailleurs que vous êtes mal conseillé en la matière. Permettez-moi de le dire. Mais en l'occurrence, le SRADET est annulé. Point à la ligne. Le juge est clair là-dessus. Merci, Monsieur Platré. Merci, Monsieur Platré. Nous avons consulté la DGCL. Il n'écoute pas.
nous avons consulté la DGCL, c'est-à-dire la Direction générale des collectivités locales, parce que l'article que vous venez de lire, ce n'est pas l'annulation du SRADET, c'est l'annulation partielle, différée, s'il n'y a pas de modification en janvier 2025. Non, j'ai le regret de vous dire, Monsieur Platré, que vous n'y êtes pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, on arrête là-dessus. Nous avons la DGCL qui a complètement corroboré avec la préfecture l'interprétation. Mais l'arrêté de la préfecture est annulé, la délibération de la région est annulée et le SRADET... Il est annulé de façon partielle et différé s'il... Non, mais écoutez, ça me met... Je peux pas... Alors, ce qui est... Je vais vous donner la parole, Monsieur Odoul. Mais vous savez, je ne comprends pas trop votre excitation. Je ne comprends pas. Parce que ce qui est important, vous ne... S'il vous plaît. Calmez-vous. Ce qui est important, Monsieur Platré, s'il vous plaît, quand Monsieur Platré nous a lu l'article, Monsieur Platré s'est arrêté au milieu de l'article. Or, ce qui est important, c'est de lire l'article jusqu'au bout. Et à partir du moment où il est marqué... En tant que ce schéma ne comporte pas ceci, ceci, cela, qu'il faudra faire jusqu'au 1er janvier 2025, cela veut dire que c'est une annulation partielle, différée, qui ne nous empêche pas, Monsieur Platré, de continuer, parce que ce qui est important là, nous sommes des élus régionaux. Le SRADET, c'est quoi? C'est un document qui nous sert à travailler sur l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, le gros sujet sur lequel nous avons à travailler sur tous les territoires, c'est la mise en place de la loi climat et du zéro artificialisation net des sols. Or, justement, ce jugement aurait pu tout arrêter. Ce n'est absolument pas le cas. Ce jugement nous dit simplement que nous avons jusqu'au mois de janvier 2025 pour refaire l'annexe qui a besoin effectivement d'être régularisée. Mais nous pouvons parfaitement continuer notre travail, c'est-à-dire que le vice-président va pouvoir continuer son travail. Et c'est ça qui est le plus important. Un, le travail sur le ZAN et deux, notre stratégie, parce que là, c'est vraiment très clair, notre stratégie énergétique. Le motif soulevé par les requérants sur la disproportion d'objectifs de développement éolien n'a pas été retenu par le tribunal administratif. Ainsi, notre ambition régionale de transition énergétique, elle est intacte et nous pouvons continuer à la portée. Donc c'est ça qui est important. Nous avons un travail de modification à faire. Nous avons jusqu'au mois de janvier 25 pour le faire. Il ne porte que sur une annexe, c'est-à-dire que ce n'est pas opposable. Donc quand même, tout cela relativise la chose. Hein. Et heureusement, compte tenu de l'immensité
du travail fait par Éric Coulet dans tous les territoires. Mais si jamais le SRADET avait dû être annulé, ça aurait été une catastrophe, une catastrophe. Heureusement, ce n'est pas ça. Nous nous attellerons à la modification qui est demandée et donc considérer que l'annulation, elle est différée, elle est partielle et qu'elle ne nous empêche pas d'avancer. Elle ne nous empêche pas d'avancer. Monsieur Odoul. Madame la Présidente, déjà, je pense qu'il faudrait peut-être donner du thé vert à nos collègues écologistes, parce que là, le mouvement d'humeur auquel nous venons d'assister est digne du cirque Pinder, mais pas d'une assemblée régionale. Ensuite, Madame la Présidente, nous avons perdu une demi-heure de débat. Une demi-heure de débat parce que vous êtes d'une mauvaise foi patentée et que vous refusez de reconnaître vos erreurs. Il vous aurait suffi tout simplement en une phrase, en une seconde, de reconnaître votre erreur, donc qui est la conséquence de cette annulation du SRADET, qui a été annulée, tout simplement pour qu'on s'évite de perdre du temps dans ce débat budgétaire extrêmement important. Et très clairement, au-delà de ça, sur l'organisation du débat, Madame la Présidente, je trouve qu'elle est extrêmement contestable. Que ce soit sur les temps de parole, que ce soit sur les interventions, vous ne tenez rien. C'est à la carte, en fonction des intervenants, en fonction des groupes politiques, en fonction du sujet qui vous intéresse. Mais si on pouvait avoir un peu de régularité, un peu de discipline et les mêmes règles pour tous les élus, je pense que le débat démocratique se porterait mieux. Ici, on est au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. On n'est pas dans un bureau de vote du Parti socialiste. Nous allons... Alors, on en était à Monsieur Rochette. Merci, Madame la Présidente. Oui, mais vous savez, je trouvais que pour une première prise de parole, il y avait un contexte qui était un peu aride de bizutage que j'appréciais beaucoup. Mais plus sérieusement, Madame la Présidente, si nous en revenons à l'année 2023 et aux enjeux que présente le budget, je voulais évoquer la question... non pas du règlement du transport scolaire, mais les règlements des transports scolaires. S'il y a quelque chose à faire en 2023, c'est sûrement une harmonisation de celui-ci. Je sais qu'il y a un travail très compliqué à faire, qu'il y a sûrement des groupes de travail qui sont déjà mis en place. Mais ce matin, Nicolas Soret nous a parlé de la solidarité. Les règlements de transport scolaire doivent amener de la solidarité, notamment avec les territoires les plus ruraux. Vous avez sûrement vu de nombreux maires de petites communes se plaindre de quelques difficultés quant au plan de transport. Et je pense qu'un nouveau règlement harmonisé pourrait peut-être amener plus de solidarité encore. Et puis, concernant ces règlements, il y a une question aussi d'équité. Je voulais évoquer la question qui arrive dans les recettes du budget quant aux participations financières des communes ou des EPCI aux frais des transports scolaires des élèves qui sont en maternelle ou en primaire. Nous avons encore des systèmes différenciés. Par exemple, en Côte d'Or, c'est 190 euros par élève. Là aussi, en 2023, nous devons sûrement amener une harmonisation parce que c'est une question, là aussi, d'équité des usagers et des collectivités par rapport à nos règlements. D'ailleurs, cette harmonisation, nous proposerons qu'elle se fasse au plus bas. Ce serait sûrement un geste très fort auprès des communes, des EPCI qui ne demandent qu'une seule chose, c'est un dialogue serein sur ce sujet avec la région. Madame Barthelet. Merci Madame la Présidente. Ce sera très rapide. Je souscris bien entendu au propos qu'a tenu Denis Thuriot tout à l'heure à propos de son interrogation quant à la décision de supprimer l'exonération de la taxe sur les taxes grises des véhicules hybrides. Bien entendu, on comprend bien les motivations et on n'entre pas dans la démagogie sur ce sujet. Mais il nous semble quand même curieux de décréter, ça semble compliqué, qu'ils ne font pas partie des véhicules propres. Simplement donc, nous souhaiterions exprimer notre plein accord avec la proposition du Césaire qui vise à exonérer finalement 50% uniquement les véhicules hybrides rechargeables. Il nous semble que cette mesure serait davantage compréhensible
pour les automobilistes qui ont encore besoin d'être encouragés dans leur choix pour une mobilité décarbonée. La structuration de notre région, vous le savez bien, elle est très rurale. Elle permet donc difficilement à la majorité des ménages de se passer d'utilisation d'un véhicule, voire de plus. Le transport en commun ne pouvant répondre malheureusement que rarement aux déplacements du quotidien, si ce n'est les déplacements scolaires. Ces véhicules hybrides ou électriques semblent donc parfaitement répondre à ces besoins de déplacements récurrents et surtout sur des courtes ou de moyennes distances. Nous souhaitons donc savoir simplement si vous avez étudié cette possibilité et son impact. Merci beaucoup. Oui, ça a été étudié, c'est impossible. C'est juridiquement impossible à l'intérieur d'une même catégorie de faire des sous-catégories. Donc on l'a regardé, effectivement, merci beaucoup. Oui, Madame la Présidente, difficile de reprendre le fil et difficile de faire cette intervention sans s'interroger sur le plaisir que je trouve très malsain de certains, tout proches de moi, je suis à portée de leur voix, de les voir exploiter une décision qui pourrait être traitée comme il se doit, alors qu'on voit l'exploitation qui en est faite, dont le seul finalement résultat est de salir une image de la région qui n'en a pas besoin. Cette décision sera discutée quand il sera nécessaire, mais elle ne mérite sans doute pas le traitement que vous venez d'en faire. Alors sur les questions qui nous intéressent ici, nous savons tous que le contexte budgétaire est difficile. Du fait de son poids, c'est une raison de plus pour porter un regard vigilant sur notre politique des transports. C'est là-dessus que je m'exprime. Au vu des enjeux climatiques et de l'indispensable report modal qui en découle, elle doit logiquement être réinterrogée. Et le rail étant à nos yeux prioritaire, c'est sur ce domaine que nous nous exprimerons. L'ouverture à la concurrence forme bien entendu un point d'attention majeur, mais nous en parlerons demain. Je ne fais donc que l'évoquer. Nous constatons, saluons la volonté de maintenir l'offre ferroviaire. Il aurait été tentant de succomber à des économies faciles, je mets des guillemets, en la réduisant. Ce maintien montre bien la volonté de la majorité du Conseil régional de maintenir le cap sur ce point. J'ai même entendu qu'elle était pratiquement unanime. Ce salut fait à l'idée que l'on maintient l'offre. Bien sûr, la question des tarifs est liée à cette question. Leur augmentation doit se discuter sereinement, elle aussi, je l'espère. Au vu de l'inflation, on peut l'entendre. Et surtout, des conditions fixées par la Convention, c'est un autre débat. Deux interrogations que nous mettons là aussi tranquillement sur la table. D'abord, sur le choix d'augmenter l'ensemble des paliers de la tarification. Le Césaire a exprimé un avis, ou en tout cas s'est interrogé un peu de la même manière. Ensuite, sur la notion de tarification par palier. Elle-même, qui nous semble peut-être un peu difficile à lire, peu lisible pour les usagers. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous interrogeons cependant sur la lisibilité de l'ensemble, d'un seul coup, hein, mais nous soulignons positivement la remise à plat d'une tarification jeune, fruit de notre réflexion collective. Nous pensons par ailleurs que le M-ticket est une excellente solution pour inciter à se déplacer en transport en commun, mais qu'il mérite d'être mieux valorisé, connu de tous. Et nous soutiendrons le ticket mobilité, voire son augmentation, puisque l'offre en transport en commun est inexistante dans certains endroits. Mais nous insistons sur la priorité à donner à ces zones sur le développement des transports partagés, puisque l'offre ferroviaire est inexistante. Mais la remarque principale, et j'en termine presque, porte sur le fait qu'une stratégie ferroviaire se définit sur 10, 15 ans, voire plus, et nous aurions bien besoin d'un audit régional sur le coût global de la modernisation des infrastructures de transport ferroviaire pour nourrir la future PPI. Le futur bébé. Nous pensons que l'opérateur connaît bien l'état de son infrastructure et nous serons donc vigilants à ce qu'aucune ligne ne soit fermée sous ce mandat. Enfin, Claire Mallard l'a évoqué, la pause sur les investissements transports en général cette fois ouvre la réflexion sur d'autres projets. Certes, les subventions à l'investissement de l'Otavo sont gelées au même titre que de nombreux projets. Néanmoins, nous serons attentifs aux résultats de la révision du schéma aéroportuaire et à la cohérence de nos choix au regard de l'application du budget vert. Et cela vaut également pour le gel des crédits onéreux de la LGV qui mérite, selon nous, vous le savez, d'être réorienté sur les TER. Je vous remercie. Alors, il y avait avec Claude Mercier, Stéphanie Mode. Merci, Madame la Présidente. Dire déjà un premier mot sur l'opposition. L'utilisation de mots tels que Khmer
tels que Ayatollah font qu'effectivement, parfois, il y a un peu d'agacement dans nos rangs. Mais je dirais que l'agacement dans nos rangs est bien normal parce que de l'autre côté, on a vraiment de l'excessif. Et comme vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant. Par contre, ce qui est extrêmement signifiant actuellement, c'est l'accélération du dérèglement climatique qui coûte si cher en réparation, la raréfaction des ressources qui engendre désorganisation, augmentation du coût des matières premières, mais également conflits et guerres, permacie de la biodiversité. Alors oui, nous sommes bien au pied du mur, mur qui a tendance à prendre de la hauteur et menace même de devenir infranchissable. Nous devons donc impérativement, et je pensais que sur cet axe 2, nous serions tous d'accord sur ça, pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, pour accroître notre indépendance énergétique et réduire drastiquement nos émissions de CO2. Également, pour essayer de pallier à la perte de biodiversité. Alors, 47 millions d'euros sont inscrits en CP, et c'est une très bonne chose. Rappelle aussi que dans ce contexte de crise énergétique, les entreprises, collectivités, particuliers ont fait des efforts sur leur consommation d'énergie. La région prend sa part sur ce volet également par de l'ingénierie, de l'accompagnement auprès d'entreprises, par le plan de sobriété en interne, mais également par le biais de l'économie circulaire, réemploi, recyclage, valorisation des ressources, récupération de la chaleur fatale. Nous saluons la politique de soutien à l'efficacité énergétique qui se poursuit par des aides à l'ingénierie et aux travaux dédiés aux ménages, collectivités et bailleurs sociaux par le biais des filogies, ainsi que l'éco-conditionnalité des aides pour les travaux cofinancés par la région. Nous soulignons également l'accompagnement de la filière du bâtiment avec le pôle énergie pour permettre l'appropriation des nouvelles normes et développement de compétences des professionnels afin qu'ils puissent répondre aux exigences d'une rénovation énergétique de qualité. Je le rappelle, sans professionnels, nous n'aurons pas de rénovation. Et bien sûr, l'animation et développement des énergies renouvelables, soit en aide directe pour le bois énergie, la petite méthanisation, soit en apport en capital dans les SEM pour les ENR électriques. Sans oublier l'appui au projet d'énergie citoyenne et à la gouvernance locale. Nous continuerons à développer l'information collective et objective autour des ENR pour permettre à tous et à tous de s'approprier ce formidable outil de production d'énergie propre, loin de toute idéologie mortifère et punitive pour le climat. La biodiversité est plus que jamais au cœur de notre plan de mandat. Priorité sera donnée en 2023 à la protection de milieux naturels remarquables. Je vous rappelle, nous avons 19 RNR et 118 sites Natura 2000. Je rappelle d'ailleurs l'arrivée de la gestion des sites Natura 2000 confiée à la région. J'en profite pour saluer le travail effectué par les services pour que nous puissions accueillir dans des bonnes conditions ces sites et l'animation de gestion des sites Natura 2000. Nous allons y mettre les moyens nécessaires pour relever ce défi, d'ailleurs plus que ce que prévoit l'État. Malgré les tensions financières, nous poursuivons au même niveau qu'en 2022 le soutien au fonctionnement des associations naturalistes et des lieux dédiés à l'environnement. Ce soutien est primordial pour la gestion des sites, l'acquisition de connaissances, d'analyse de données et de leur restitution. Le soutien se poursuit pour la lutte contre les îlots de chaleur, le plan pollinisateur, la plantation de haies. La région, en lien avec l'État et l'ARB, dont je salue l'engagement de son président ici présent, déploie une mission innovante sur la médiation éleveur-loup pour trouver des pistes de coexistence élevage-grand prédateur. Les écologistes comprennent et partagent le désarroi des éleveurs touchés par ces attaques. Mais il demeure que ce grand prédateur est inscrit sur la liste des espaces protégés du fait de son rôle indispensable à l'équilibre des écosystèmes. Enfin, sujet écologique crucial, l'engagement de ce budget sur la politique de l'eau est conforté. Cela nous permet de poursuivre des actions de renaturation de travaux en lien avec les syndicats de rivières notamment. Je termine enfin par la palbette que ce budget attribue à l'éducation à l'environnement, aux manifestations colloques, car la compréhension des enjeux, la nécessaire atténuation du dérèglement climatique et des derniers de son adaptation doivent être appréhendées, comprises et acceptées par le plus grand nombre. Notre collègue Sarah Percy évoquera tout à l'heure la Convention citoyenne. Je salue enfin le signal donné par la présidente et notre majorité. Notre région poursuit son engagement sur le sujet du climat, de sa protection et la protection des humains, comme de la vie sauvage, dont les destins sont liés. J'ai terminé. Exercice de décontraction, là. Hein ? Voilà, vous respirez. Hein ? Ça va mieux ? Gilles Lazare. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Pour commencer, je tiens à remercier les collègues ainsi que les services pour l'énorme travail accompli sur ces dossiers. Je tenais à intervenir sur l'énergie, qui, nous le voyons, est un enjeu majeur de notre société et de notre indépendance nationale.
Nous saluons les efforts effectués par notre collectivité pour être à la hauteur en matière d'énergie renouvelable et par là même contribuer au développement du mix énergétique national. Car c'est ce mix énergétique qui nous permettra d'atteindre notre indépendance nationale. Néanmoins, nous pensons aussi que si nous voulons répondre aux besoins en énergie de nos concitoyens, de l'industrie et des services publics, notamment du ferroviaire, nous ne pouvons pas nous passer de l'énergie nucléaire. Et en la matière, nous n'avons pas à rougir en région Bourgogne-Franche-Comté. En effet, nous avons la chance d'avoir un territoire riche en industrie et en savoir-faire dans le domaine du nucléaire. Partout sur la région Bourgogne-Franche-Comté, les entreprises, les filières de formation existent pour faire notre région une des plus importantes régions en termes de savoir-faire nucléaire. Ainsi, sur la question de l'énergie, soyons ouverts à toutes les énergies à partir du moment où elles sont décarbonées. La sobriété énergétique d'abord, l'éolien lorsqu'il est accepté par les populations, le solaire, le nucléaire sont pour nous des sources qui, en l'état, sont nécessaires au développement économique et humain. Ainsi, nous sommes et partageons dans cette majorité la direction qui est prise vers des énergies renouvelables et dans un mix énergétique. Merci, Madame la Présidente. Merci. Dominique Longchamp. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je vais revenir, moi, sur le sujet qui concerne la mobilité et l'augmentation des tarifs de TER évoqués. À ce sujet, nous regrettons que ne soient quantifiées et chiffrées, effectivement, les recettes attendues. Comme les votes à ce sujet auront lieu lors de commissions permanentes à venir, nous souhaiterions toutefois formuler quelques remarques et demandes. Nous partageons bien sûr l'objectif d'améliorer les recettes liées au TER au regard de la situation inflationniste que nous connaissons, mais l'ajustement des tarifs pour nous doit être élaboré finement à partir d'objectifs recherchés en termes d'utilisation et de bénéfices attendus. Si la recherche de recettes nouvelles est louable, nous estimons cependant que la priorité d'une politique tarifaire doit s'inscrire dans un objectif d'augmentation des usages du train. Certes, notre région est marquée par une offre importante. Nous faisons le constat que sa convention TER, ramenée au rapport kilomètre train, est parmi les moins chères des régions de France. Mais en parallèle, nous notons, selon les données de l'Observatoire des transports, une occupation en moyenne trop faible de nos trains, alors même que certaines lignes connaissent des flux ingérables. Ainsi, en termes de tarifs, ne pourrait-on pas réaliser une analyse plus fine de ces flux pour optimiser le remplissage de nos trains régionaux? Certains tarifs sont en particulier trop chers. Celui de la première tranche, et c'est la question de la répartition par palier qui pose problème, celui de la première tranche des 0 à 35 km, actuellement à 5 euros et qui pourrait passer à 6 euros, c'est rédhibitoire. Or, les trajets courts participent de manière importante à la fréquentation de nos trains. Le train demeure également trop cher pour les jeunes, qui ont des budgets de plus en plus contraints et connaissent les difficultés importantes en matière de pouvoir d'achat. Soit dit en passant, cela risque de ne pas de s'arranger s'ils sont bloqués dans leur accès à l'emploi par le report de l'âge légal de la retraite des actifs. Alors bien sûr, nous partageons donc la proposition d'un abonnement jeune à 50%. En fait, ce que nous souhaiterions, c'est un examen beaucoup plus fin des effets attendus de l'augmentation généralisée proposée et des exceptions, notamment sur la première tranche, dont nous pensons que le tarif devrait être beaucoup plus incitatif. La nouvelle offre tarifaire doit être appuyée par une analyse solide des effets en termes de fréquentation et de recettes nouvelles. Et enfin, dernière remarque et non des moindres, à l'heure où l'efficience et la performance sont de mise en matière budgétaire, nous ne pouvons nous affranchir de souligner toutefois le montant de 4 millions d'euros de la nouvelle enveloppe dédiée à l'accompagnement de notre région dans l'ouverture à la concurrence, qui vient s'ajouter aux 2 millions d'euros d'études déjà engagées et aux 11 postes créés spécialement pour cela. Vous connaissez notre analyse. Nous pensons que ces coûts sont voués à augmenter toujours plus et réaffirmons qu'aucun opérateur ne sera plus efficace qu'une entreprise intégrée et sous contrôle démocratique. Nous réservons de plus amples commentaires pour le débat de demain. Je vous remercie. Merci. Alors, deux derniers intervenants, c'est Denis Hamot et Stéphane Wojnarowski. Chers collègues,
Je voudrais insister sur quatre points en matière de mobilité collective et décarbonée. Le premier point, c'est la coopération et la complémentarité indispensables à toutes les échelles de notre territoire, donc il va falloir qu'on discute. Et l'épisode du SRADET est quand même intéressant. Il montre qu'on a encore du travail à faire pour discuter. Donc cette coopération, cette complémentarité doit se jouer entre bassins de mobilité, comme je disais, à toutes les échelles, à la fois les bassins de mobilité ruraux, parce qu'ils en ont grand besoin, les agglomérations urbaines, parce qu'elles ont aussi des choses à travailler, les communautés urbaines et la métropole, afin d'établir un maillage à l'échelle régionale. C'est ça l'enjeu qu'on a devant nous. Le deuxième point, c'est un rôle stratégique de la région, qui est à la fois chef d'orchestre, ensemblier et architecte, et donc qui doit être à l'écoute de ses mobilités, de ses demandes, en lien avec les instances que j'ai précitées, et à travers les contrats opérationnels de mobilité. Le troisième point, c'est un seul objectif, mais il est très ambitieux. C'est apporter des solutions concrètes et fiables, je répète, concrètes et fiables, de mobilité à tous les habitants de la Bourgogne-Franche-Comté, qu'ils soient en zone rurale, qu'ils soient en zone périurbaine ou qu'ils se trouvent en zone urbaine. Et pour ça, il y a une seule méthode. C'est le quatrième point. Cette méthode, elle doit se faire à partir de l'écoute, des besoins locaux et du terrain. Et d'ores et déjà, plus de 200 réunions ont été menées dans ce sens pour avancer vers cet objectif. Je vous remercie. Dans le cadre de la LOM. Merci. Stéphane Wojnarowski. Merci, Madame la Présidente. Bien. L'axe 2, transition énergétique, écologique, adaptation climatique. Je remercie Madame la vice-présidente Stéphanie Mode d'avoir, au bout de plusieurs minutes de long et houleux débat, prononcé quand même les mots de climat et de biodiversité. Je voudrais, moi, y revenir quelques instants. Le budget 2023 s'est construit et se déclinera, vous l'avez rappelé, Madame la présidente, ce matin, dans un contexte de crise, mais aussi dans un contexte d'urgence environnementale absolue. Et je pèse mes mots. Le climat change vite, plus vite que nous l'avions pensé. Les ressources naturelles, et en particulier celles issues du vivant, se raréfient sous le coup de la surexploitation et de l'artificialisation des terres. Alors, il ne s'agit pas de se faire peur inutilement, d'agiter un chiffon vert face à certains de nos collègues climato-cyniques, merci, chère Claire, ni même de réduire la question de la transition écologique au seul débat pour ou contre les éoliennes. Mais il s'agit bien de regarder en face les faits que de nombreux scientifiques du monde entier nous rappellent constamment et depuis très longtemps, COP après COP. Nous devons faire face à une double urgence, le changement climatique et ses conséquences et l'effondrement du vivant, et n'en déplaise à certaines de nos collègues. Ces questions sont prises à bras-le-corps dans le SRADET et en particulier sur la thématique du zéro artificialisation net. Notre collègue Éric Houlet, le sait bien. Alors j'étais hier soir au lancement d'un numéro de la revue Bourgogne-Franche-Comté Nature, qui est une publication scientifique régionale, mais saluée nationalement et internationalement. Et cette revue a donné la parole à plus de 100 experts. Quatre d'entre eux étaient là hier soir et nous ont dit très clairement que dans notre région, si le climat est certes tempéré, il se dérègle. La sécheresse et les canicules de l'été 2022 pourraient bien devenir la règle d'ici 2040 ou 50. Il y a près de 20 000 espèces identifiées, 7 000 sont suivies, 2 000 sont menacées. Et comme dans les autres régions des pays industrialisés, 90% des animaux d'élevage proviennent seulement de 6 races. La diversité du vivant, c'est la clé du futur, entre autres pour l'agriculture. Face à ces urgences, Madame la Présidente l'a rappelé ce matin, nous mettons en œuvre progressivement un budget vert qui affiche nos priorités environnementales et énergétiques. Nous poursuivons ainsi la déclinaison de nos choix politiques passés et assumés. Dans le PER, 29 millions d'euros injectés depuis novembre 2020 pour financer des rénovations de maisons individuelles, 600 dossiers. Des rénovations de bâtiments tertiaires, 121 projets. 1 million pour les réserves naturelles régionales. En 2022, Ephilogie a soutenu la rénovation de 2800 logements sociaux. Pour le budget 2023, Madame la vice-présidente y reviendra, elle a déjà évoqué quelques chiffres tout à l'heure, 48 millions d'euros pour la transition écologique, pour la transition énergétique, pour la biodiversité, l'économie circulaire et la gestion des déchets. Et je n'oublie pas l'éducation à l'environnement, que nous considérons comme essentielle,
contrairement à nos collègues du Rassemblement national qui veulent la supprimer à chaque budget, et nous y avons encore droit aujourd'hui, puisqu'elle doit être supprimée dans tous leurs amendements. En 2023, j'y suis presque, la région poursuit donc son effort au moment où nous devons plus que jamais agir. Qui aurait pu prédire ? Telle est la formule assez maladroite utilisée par le président de la République lors de ses vœux pour évoquer l'été 2022. Franchement, il fallait oser, mais il ne s'agit plus de prédire, les urgences sont là. Eh bien, en BFC, avec toutes les contraintes qui sont les nôtres, nous ne sommes plus dans la prédiction ni dans l'incantation, nous sommes dans l'action face à tous ces changements. Certains de nos collègues ont honte de ce que fait la région, je suis fier de ce que fait la région, avec vous, Madame la Présidente, et avec la majorité régionale, en matière de transition écologique. Bon, merci. Alors, je vais donner la parole à plusieurs présidents, vice-présidents, en fonction des propos. Hein, avec l'épisode Sraddet, on a oublié qu'il y a eu auparavant des propos, notamment de Madame Lopez sur Effilogie. Donc, je donne la parole à Stéphanie Mode, effectivement, en réponse à Madame Lopez. Donc, ça fonctionne, voilà, merci. Alors, oui, je suis un peu surprise parce que, effectivement, notre collègue vient de donner quelques chiffres. Donc, dire que sur la politique Effilogie, puisque notre cible, notamment en matière de maisons individuelles, nous ciblons essentiellement les publics ANA, donc c'est-à-dire les publics précaires. Public fragile, très fragile. Donc, bien évidemment, cette mesure-là va en priorité sur ce public-là. Rappelez aussi que nous avons un fonds d'avance qui fonctionne très, très bien, tellement bien d'ailleurs que nous allons le réabonder. Je rappelle, hein, ce fonds d'avance est tout simplement, effectivement, pour permettre le financement, donc le reste qui reste à charge, de pouvoir le prendre en charge. Donc, ce fonds d'avance est justement là, par le biais notamment de Procivis, avec qui nous avons conventionné, permet donc de répondre à cela. Donc, voilà, donc je vous apporte ces informations-là et je ne saurais trop vous encourager à en faire bénéficier autour de vous. Rappelez donc, sur 2022, ça a été dit, mais quand même, le plan de relance régional sur la rénovation, notamment Effilogie. Donc, je vous rappelle qu'en plus, nous avons un haut niveau d'exigence qui font que quand nous intervenons sur la rénovation thermique, nous intervenons un minimum à plus de 50% d'efficacité, donc de coûts en moins en charge à payer, voire même jusqu'à 75% comme nous sommes sur la rénovation globale dite BBC. Donc, vous donnez quelques chiffres, 420 maisons rénovées globalement, 241 BBC par étape, pour un coût global de 4,5 millions, alors que nous avions prévu initialement 2,5 millions. De même pour les collectivités aussi, collectivités qui, par le biais donc, du plan de relance, effectivement aussi national, mais par aussi l'aide régionale, a pu voir, donc nous avons aidé 122 nous avons eu 122 dossiers pour un montant global de 24 millions d'euros. Bailleurs sociaux aussi, puisque tout le monde s'intéresse, et c'est bien normal, à la précarité énergétique. Je peux vous dire qu'en 2021, nous avons pu accompagner la rénovation, avec l'aide d'autres opérateurs, de 2200 logements, pour un coût total de travaux Effilogie de plus de 7 millions d'euros, coût global de 70 millions d'euros. Donc on vous dit aussi, en termes d'apport et d'aide aux entreprises locales, vous imaginez un peu les sommes qui sont engagées. Et pour 2022, donc c'est 2700 logements qui ont pu être accompagnés pour 89 dossiers, pour un montant global de 100 millions et une aide Effilogie de 8,4 millions. Donc je pense qu'effectivement, sur ce volet-là, nous n'avons absolument pas à rougir de ce que nous faisons. Dans transport, parce que la plupart des questions, effectivement, qui se sont manifestées ont été sur la question des transports, des TER et aussi des transports scolaires. Bien, merci, Présidente. Je vais répondre point par point à toutes les questions qui ont été posées. Il me dit non. Ah non, c'est pas moi. Point par point, notamment le Rassemblement national, Monsieur Laval, qui a posé plusieurs problématiques. Je souhaiterais lui dire, et c'est un sujet que l'on a de façon générique dans les mobilités, et qui est un travail qui est devant nous. Et dans notre document budgétaire, on en parle beaucoup. L'existant n'est pas connu. Et pour le connaître, la LOM va nous permettre, dans le cadre des contre-opérationnels de mobilité,
de faire connaître réellement toute l'offre de transport. Quand on dit l'offre, ce sont les dessertes à partir d'un point et toute la tarification que nous avons. Et je vois, quand on parle sur les personnes en situation de chômage, qui sont à la NPE, qui sont dans les missions locales, qui sont là... Pôle emploi, oui, excuse-moi. J'étais un ancien franc, là, quasiment en dessous. Il y a une remise de 75% qui est faite pour ces publics. Et je m'étonne que les conseillers régionaux ne s'en rappellent pas, puisque nous avons délibéré récemment sur le sujet. C'est vrai, en commission permanente, mais... vous avez un groupe, vous savez comment ça fonctionne, vous m'avez l'air comme un peu organisé entre vous, donc vous pouvez avoir cette connaissance. Sur les exonérations de véhicules propres, ça a été dit par la présidente, vous savez, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais c'est une règle européenne qui a été mis dans le droit de tous les pays européens pour qu'effectivement on ne reconnaisse que les véhicules avec moteur électrique unique. C'est une hérésie de transporter deux modes de motorisation, c'est du poids embarqué, donc de l'énergie, d'où qu'elle vienne, qui est surconsommée. Voilà. Et c'est un avantage fiscal qui était très fort. Si vous êtes contre l'ouverture à la concurrence, on verra demain. Permettez-moi quand même de vous dire que vous ménagez très peu et vous êtes très critique sur l'opérateur unique qu'est la SNCF. Voilà, ok. On est d'accord. Sur Madame Baer, il y a... vous parlez de mesures sur le pouvoir d'achat. S'il n'y avait que la région pour attaquer le pouvoir d'achat quand on suit l'inflation... Ça irait. Il y a bien d'autres raisons. La présidente vous a dit, puisque vous étiez parti en comparaison, ce qui se passe en Île-de-France. C'est jamais agréable d'augmenter des tarifs. Mais il y a un moment où il faut quand même une part des choses. Nous l'avons fait sur la restauration scolaire avec le même principe. Sauf que là, si on appliquait l'augmentation de l'énergie connue à ce jour, et ça peut évoluer, c'est 60% d'augmentation si on le faisait supporter uniquement sur le titre de transport. Et donc là, on a une part de 5%, un problème qui va être à régler, mais on verra ça. Il y a une demande d'autres groupes d'avoir vraiment quelque chose de précis sur les tranches, sur tout ça. Ça va être apporté au débat pour permettre, effectivement, nous, on a intérêt à être le plus efficace possible et à ce que ça ramène le maximum de monde dans le train. Sur la baisse pour les permis de conduire, il y avait le choix entre deux choses. Soit on mettait des règles beaucoup plus strictes et on sortait des personnes, soit on mettait à 300 euros. Parce que effectivement, c'est très sollicité. Je rappelle qu'au départ, c'était pour les personnes qui étaient dans les missions locales et qui avaient des sujets d'équilibre de financement sur ce point. Si je prends M. Normier, c'était le SRADET, j'ai vu que... Non, je ne réponds pas, c'était encore plus passionné que les transports. Hein, voilà. Je réponds sur la taxe des véhicules hybrides, Mme Barthelet, ça a été fait. J'y arrive. Il y a M. Mercier, les transports partagés, c'est un élément essentiel. Nous sommes quand même la seule région à ne pas laisser faire le marché des sociétés de covoiturage et d'avoir à disposition de l'ensemble des territoires un outil régional qui est piloté par une SCOP. Notre sous-traitant est une SCOP et qui permet d'amener dans tous les territoires des solutions de covoiturage, plus le covoiturage organisé conventionné qui a été primé récemment. Donc on est là-dessus, ça se développe, mais ça ne se développera pas s'il n'y a pas localement, dans chaque PCI,
une volonté de le développer, de créer des communautés pour massifier. Ensuite, Monsieur Lazare, c'était pas le TER. Sur le tarif TER, bon, je pense y avoir répondu à Dominique Longchamp. Notre objectif, maintenant, pour mettre plus de monde dans le train, c'est déjà savoir si notre offre est en adéquation avec les besoins. Donc, il y a un travail à faire avec les territoires dans le cadre des contrats opérationnels de mobilité. Deuxièmement, il faut se soucier de ce qui se passe avant la gare et après la gare. Avant l'halte ferroviaire et après l'halte ferroviaire. Pour faire venir plus de monde dans le train, c'est déjà montrer qu'il y a une continuité de mobilité possible qui est le plus décarbonée possible, hein, c'est-à-dire pas une personne par véhicule, utiliser des vélos électriques et autres. Et ça, c'est le travail qu'on a à faire avec les EPCI sur le territoire. Donc, c'est ce que l'on va... mettre en place, ce que l'on va développer. J'ai un autre point d'information, et c'est le dernier point auquel je répondrai, en ce qui concerne la politique... Transport scolaire. Oui, oui, mais j'y réponds. En ce qui concerne la partie politique générale de ce que l'on mène, le document budgétaire, c'est 5 pages, tout est expliqué dedans. Il y a les coûts d'ouverture à la concurrence. Alors là, j'ai le détail précis. Nous avons 2,2 millions d'AP correspondent à la continuité de effectivement l'ouverture à la concurrence qui se développe. C'était prévu au départ, mais au gré des étapes, on libère ce dont on a besoin parce qu'on avance. En même temps qu'au Trajan, on avance et l'on fait par strates. Par contre, il y a 1,986,957 qui est lié totalement aux compagnons de voyage qu'est Mobigo. C'est-à-dire pour qu'il y ait cette continuité et qu'elle soit identifiée dans un seul outil, c'est l'outil Mobigo, le masque mobile, compagnon de voyage. Et là, il y a effectivement des compléments à faire sur ce point. Et on va aller jusqu'à la distribution des titres de transport. Et je ne vous donne qu'un chiffre. On paye actuellement pour la distribution des titres de transport par la SNCF. 16 millions par an. Si vous prenez ça sur 10 ans d'une convention repartie avec une ouverture partielle à la concurrence, ça fait 160 millions que l'on consacre 2, 3, 4 millions pour avoir l'autonomie là-dessus et ne pas avoir à dépenser cela, je pense que c'est l'enjeu en vaut la chandelle. Et puis sur les transports scolaires, je le gardais pour la fin, on a commencé une première réunion qui portait sur la notion d'ayant droit. C'était le 13 juillet. Pas très favorable. Il faut qu'on reprenne ça. La présidente souhaite que l'on travaille pendant les 6 premiers mois pour avoir un élément conclusif sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Naturellement, dedans, il y a le traitement fait aux communes, notamment dans 2 départements. Le département de Côte d'Or, où il y a 190 euros qui sont demandés à chaque commune ou intercommunalité quand la compétence était transférée, qui permet parfois d'ailleurs d'amener une régulation par le maire, parce qu'on ne donne pas la carte si le maire ne donne pas son accord. Et parfois, je pourrais citer quelques exemples de maires qui disent « Mais t'as pas besoin le car parce qu'il y a une autre solution qui évite de faire 5-6 km de détour pour aller chercher ». Donc on a ça, mais surtout au départ, j'étais conseiller général à l'époque quand ça avait été fait, au niveau des transports scolaires en Côte d'Or, il avait été prévu d'imposer dans les marchés publics d'ouverture ouverts à la concurrence auprès des autocaristes que l'autocariste devait fournir une accompagnatrice pour le primaire ou un accompagnateur pour le primaire. Et donc, il y a une partie qui correspond à une compétence des communes et une partie qui est du surpayé que l'on devra travailler. Et puis, il y a les départements
cher à Gilles Platret, mais à beaucoup d'autres aussi, de Saône-et-Loire, où là, vous avez une particularité, c'est-à-dire que pour le transport primaire, la contribution demandée au bloc communal qui veut le faire est de 55%. Du coup, et la région ne contribue qu'à 45%. Donc, c'est une des inégalités. Donc, l'engagement qui est pris, c'est de travailler d'arrache-pied. Mais ce que je vous demande, c'est que les élus des groupes, les représentants, soient tous présents et qu'on ait un suivi sur ce sujet. Donc, il y a l'engagement de traiter ça. Répond mon collègue qui a posé la question. Au premier semestre, pour faire le point à ce moment-là, notre objectif étant que ce soit applicable à partir de la rentrée 2024, parce qu'il y a toute une procédure administrative derrière. Voilà ce que je pouvais répondre. Et puis, en conclusion, un seul mot. Nous transportons quotidiennement plus de 200 000 personnes en Bourgogne-Franche-Comté. 200 000 personnes. 1% de mécontents. Ça représente 2000 personnes qui peuvent s'exprimer, solliciter la presse qui fait son rôle de média et faire croire que les 99% qui fonctionnent, en réalité, ne sont pas la réalité. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des motifs objectifs. Il y a bien des motifs objectifs à être mécontent de la façon dont circulent les trains aujourd'hui. Malheureusement, nous n'y pouvons rien. Nous faisons pression sur la SNCF, nous faisons en sorte de faire évoluer effectivement les pratiques, mais c'est vrai que le 1% de mécontents, on peut les comprendre. Hein. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est difficile aussi de comprendre que sur le nord de Lyon, comme sur le sud mâconnais, il y a un engorgement qui est dû au fait qu'il n'y a pas assez de matériel. Il n'y a pas assez de matériel. Et le matériel, bah, il ne se produit pas... Comme ça, en quelques mois. Il faut des années, une fois qu'on a commandé du matériel nouveau, pour pouvoir l'acquérir. Bon, je vais donner la parole maintenant au vice-président chargé de l'aménagement du territoire sur le seul sujet de cet après-midi, pour dire avec d'autres mots que les miens la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Mais je le redis quand même. S'il y avait une annulation, comme certains le prétendent, du SRADET, nous serions obligés de refaire tout le SRADET et nous ne pourrions pas continuer le travail que nous avons. Or, le travail que nous avons commencé sur le ZAN, et nous savons que nous n'avons qu'une modification à faire d'ici le mois de janvier 2025. Heureusement, cher vice-président, heureusement. Oui, merci madame la présidente. Et donc je vais essayer de ramener un peu d'objectivité autant que faire se peut, de sérénité surtout après des échanges passionnels suite à l'intervention de mon collègue Normier. Et donc rappeler d'abord que l'arrêté du préfet de région du 16 septembre 2020 d'approbation du SRADET a fait l'objet, je le rappelle pour tout le monde, d'un recours contentieux en mars 2021. Que les contentieux sur les documents d'urbanisme, qu'ils soient régionaux ou plus locaux, sont monnaie courante. Les élus locaux que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous dans cette assemblée, le savent bien. Et donc, le recours qui a été proposé contre le SRADET et l'arrêté du préfet et le SRADET lui-même donc, a émané d'un collectif de personnes, d'associations dont l'objectif était à la fois et toujours de lutter contre le développement de l'éolien, je vais faire simple, de préserver le patrimoine et l'environnement, de façon générale. Donc ce sont les motivations de ce collectif qui a fait ce recours devant la justice administrative.
Alors, ce recours, moi, je tiens à le dire, il a été pris très au sérieux par la région, eu égard à la complexité du dossier SRADET lui-même. Car le SRADET, c'est 12 volets thématiques. C'est la nécessité d'intégrer des schémas préexistants. Et sur peut-être deux d'entre eux, nous ne l'avons pas fait correctement. Hein, on va y revenir. C'est l'introduction, pour la première fois, je le rappelle, d'une dimension prescriptive hein, dans la mise en œuvre du SRADET, dans un schéma de ce type. C'est des délais d'élaboration extrêmement contraints. C'est l'obligation de le faire à l'échelle, si on se replonge en arrière, à l'échelle d'une nouvelle région, hein, d'une région fusionnée. Donc, de travailler à une nouvelle échelle régionale. Et ça a pu créer peut-être un certain nombre de biais dans notre travail. Moi, je ne le nie pas. Hein, je pense qu'il faut qu'on soit aussi, nous, les élus, parfois modestes dans l'exercice de nos missions et de nos fonctions. Il ne faut pas avoir la prétention, et moi je ne l'ai pas, de tout savoir. Je voulais aussi vous dire que le recours, il a porté sur 4 champs. Je les inventorie brièvement. D'abord, ce qui était contesté par les requérants, c'est une erreur de procédure relative à l'absence de débat préalable de la CTAP. Ensuite, une insuffisance du rapport du SRADET sur les incidences environnementales qu'il pouvait avoir. Ensuite, une erreur manifeste d'appréciation quant aux objectifs de développement de l'éolien. Et enfin, une absence d'analyse et de présentation des continuités écologiques à l'échelle de la nouvelle région. Donc, suite à l'audience du tribunal administratif du 15 décembre de l'année dernière, un jugement a été rendu, c'est tout récent, le 12 janvier dernier, et ce jugement, il rejette les 3 premiers motifs que j'ai évoqués. Peut-être, à mon avis, quand même, les plus importants sur le fond. Donc, les 3 premiers moyens soulevés par les requérants sont écartés, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, sans ambiguïté par le tribunal administratif. Il faut quand même le redire. Par contre, c'est vrai que sur le moyen de la présentation des continuités écologiques à l'échelle de la nouvelle région, hein, eh bien, le juge administratif a émis un désaccord. Ce que dit la justice administrative, c'est qu'il aurait fallu non pas juxtaposer ces schémas de continuité écologique, mais bien les fusionner et donc faire un travail de fusion. Donc ça, dont acte, hein, nous devons respecter les décisions de justice, moi le premier, hein, puisque j'ai une responsabilité éminente dans la construction de ce schéma. Et donc ceci entraîne, hein, je crois être honnête en disant cela, alors une annulation, si vous voulez ce mot, il ne me gêne pas, oui, mais une annulation partielle pour des documents annexes et en particulier relatifs à la présentation des continuités écologiques. Ensuite, le juge administratif donc a pris une décision conduisant à une annulation effectivement reportée, une annulation différée au 1er janvier 2025. Donc, en conséquence, hein, j'essaye d'être clair, le SRADET actuel, tel qu'il a été approuvé en septembre 2020 par l'Assemblée régionale, il reste applicable, et ça je pense que personne ne peut me contredire, dans son intégralité jusqu'au 1er janvier 2025. Que l'annulation, elle porte, hein, annulation il y a, elle porte sur les documents annexes du SRADET, sur des documents annexes du SRADET non opposables. Et dans le droit d'urbanisme, c'est quand même très important. La région, donc, elle dispose donc d'un délai de 2 ans, à peu près, hein, jusqu'au 1er janvier 2025, pour répondre aux observations hein, et aux décisions, plus exactement, hein, de la justice administrative, par un travail d'harmonisation à l'échelle de la nouvelle région, hein, d'une trame verte et bleue. Hein, c'est ça que nous devons faire. Hein, nous devons créer, nous devons mettre en évidence hein, ces continuités écologiques à l'échelle de la nouvelle région. Ça va nous demander, donc, dans un processus de modification hein, des études, un travail assez fourni
avec Stéphanie Mode, avec nos services respectifs, mais nous allons nous le mener. C'est un devoir que de respecter une décision de justice. Enfin, j'ajoute que la modification en cours, qui est consécutive à la loi climat et résilience, qui nous est imposée, donc qui porte sur le zéro artificialisation net, la gestion des déchets, la logistique, eh bien, cette modification, elle peut se poursuivre sans dommage, et nous allons évidemment la poursuivre. Et des débats sur le fameux ZAN, nous allons en avoir de nombreux dans cette enceinte. Alors, moi, je voudrais faire aussi deux remarques non polémiques. Je tiens à le préciser à M. Normier, parce qu'il a évoqué dans son propos ce que j'ai pu dire au sein de la commission 4. Alors, je répète ce que j'ai dit au sein de la commission 4. J'ai dit que d'autres régions concernées par une fusion en 2015, effectivement, avaient fait comme nous, c'est-à-dire n'avaient pas fusionné leur schéma de cohérence écologique. Et j'ai pris l'exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres, je le souligne, du Grand Est. En plus, j'ai vu Franck Leroy, que je connais très bien, le 7 décembre à Épernay, qui n'était pas encore président de la région Grand Est, mais qui faisait dans la région voisine ce que je fais à vos côtés, Madame la Présidente, qui avait la même délégation que moi, en particulier sur le SRADET, et qui m'a dit « Ben non, nous, on n'a pas eu de recours, etc. » Et voilà. Et donc, le SRADET, il a été approuvé. Et voilà. Et moi, je lui ai raconté l'épisode et tout ça, et on a échangé là-dessus. J'ai fait une remarque factuelle. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Et ça ne me fait pas minorer le poids de la décision de justice et l'adaptation qu'il nous faut accomplir. Ensuite, j'ai dit à M. Normier, j'ai dit devant la commission 4, qu'effectivement, nous pourrions faire appel d'une telle décision. Parce que dans un état de droit, l'appel, c'est quelque chose d'automatique. Je n'ai pas dit que nous ferions appel. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était une possibilité. Comme les requérants peuvent de leur côté, pourraient de leur côté, faire aussi appel d'une décision qui ne leur convient pas. Puisqu'ils ont... Sur trois points essentiels, je n'en ai pas dit plus. Voilà. Donc... Pour terminer, je voudrais dire que le SRADET fera donc, j'en suis persuadé, encore couler de l'encre, et c'est démocratiquement sain. Je souhaite simplement que sur un sujet à la fois complexe et stratégique, nos débats conservent un bon niveau par-delà des divergences, des différences que je juge par ailleurs parfaitement respectables et légitimes. Merci. Très bien. Donc, nous allons revenir maintenant aux amendements. Non, on passe aux amendements maintenant. Non. On s'en tient à la décision de la conférence des présidents. Donc, premier amendement déposé par le Rassemblement national, c'est M. Dutremble qui le présente. Oui, merci Madame la Présidente. Donc amendement sur la précarité énergétique. À l'heure où les économies d'énergie et financières sont sur toutes les lèvres, les Bourguignons et Franc-Comtois pensent chaque jour, bien évidemment, à se chauffer et aux dépenses astronomiques qui y sont liées. Notre région, c'est 34%. 34% de ménages qui sont exposés à la vulnérabilité énergétique. C'est au-dessus de la moyenne en France et en particulier sur les territoires les plus pauvres de notre région, comme Lyon, la Haute-Saône et la Nièvre. Cette vulnérabilité touche avant tout les personnes qui n'ont pas les moyens de bénéficier des aides, les aides publiques, et spécifiquement les plus âgés, seuls ou les familles monoparentales. Nous avons une région et des départements avec un climat plus froid par rapport à d'autres, un parc de logements plus ancien où l'on trouve le plus de passoires thermiques, et qui pourrait expliquer finalement cette grande vulnérabilité régionale. Notre région, c'est aussi des habitants qui dépensent pour se chauffer en moyenne 1 730 € par an contre 1 420 € pour la moyenne française. On a des habitants, même des propriétaires, qui subissent le coût de l'énergie, qui subissent le surcoût de la passoire et qui subissent finalement l'absence de moyens pour rénover leur logement noté G et qui n'ont plus aucune valeur depuis le 1er janvier.
Pour revenir à ces 34% de ménages qui sont exposés à la vulnérabilité, c'est plus d'un million d'habitants qui n'y arrivent plus et qui sont dans l'impasse. Et certains font déjà le choix de chauffer ou de remplir le frigo pour s'alimenter correctement à hauteur de 3 fois par jour. Alors non, chers collègues, nous ne pouvons pas accepter que nos compatriotes fassent ce choix. Non, chers collègues, on ne peut pas l'accepter. Une région a pour but de protéger ses habitants et de les aider face aux difficultés. Aujourd'hui, rien dans ce budget n'est dans cette direction. Face à cette précarité qui est devant nous, notre devoir, à nous, les élus, c'est de les aider. Une autre région est possible, une région qui agit et qui protège ses habitants pour améliorer concrètement leurs conditions de vie. Mes collègues du Rassemblement national l'ont dit tout à l'heure, nous pouvons faire certaines économies budgétaires et réorienter 13 millions d'euros en direction de nos compatriotes pour les aider face à cette précarité. Et c'est en ce sens que nous présentons cet amendement. Je vous remercie. Oui, mais bon, vous vous doutez qu'on ne peut pas être d'accord. Hein, voilà, vous n'êtes pas en accord avec la politique que l'on mène. Nous, on vous a expliqué, et Stéphanie Mode est revenue dessus, comment on s'y prenait. Donc, qui est pour cet amendement ? Et nous votons contre. Hein, voilà. Donc ensuite, nous avons l'amendement sur la suppression de la taxe régionale sur les carburants. Et c'est M. Lioré. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. En Bourgogne-Franche-Comté, parmi les personnes qui ont un emploi, 8 sur 10 utilisent leur véhicule pour aller travailler. Et consacrent 11% de leur budget, ce qui est énorme, 11%, à l'automobile. Il s'agit là d'un poste bien sûr incompressible en raison des trajets occasionnés par les déplacements domicile-trajet. En Bourgogne-Franche-Comté, toujours, 15% des ménages, contre 10% en moyenne France, consacrent plus de 5% de leurs revenus pour acheter le carburant nécessaire au trajet obligatoire, domicile-travail, lieu d'études, accès aux services de santé et aussi, il faut bien qu'ils le fassent, emmener les enfants au club de loisirs le jour de vacances, dans la semaine. J'ajouterai que ces dépenses sont 2 fois plus importantes pour les ruraux que pour les urbains et l'on connaît le caractère fortement rural de notre région. Alors, que l'inflation est historique, et que de nombreux bourguignons et franc-comtois doivent aujourd'hui faire un choix difficile entre remplir leur frigo, se chauffer ou remplir le réservoir de leur véhicule, le présent amendement participe à une baisse durable de la fiscalité. Alors je sais bien, vous allez nous dire que ça représente quelques euros par semaine ou par mois sur cette TICPE Grenelle, mais ça vient s'ajouter, je l'ai dit tout à l'heure, aux taxes extrêmement importantes sur le carburant. Sur un litre de carburant qui coûte 2 euros, je le répète, il y a 1,20 euros de taxes. 1,20 euros de taxes. Et cette TICPE s'ajoute à cette taxe gouvernementale. Alors, elle permet de redonner à nos concitoyens une somme d'argent, 31 millions d'euros, je l'ai dit. Et supprimer la TICPE Grenelle, c'est rendre aujourd'hui à nos compatriotes leur argent. Et c'est donc l'objet de ce présent amendement. Et en compensation, nous proposons de diminuer l'emprunt d'équilibre de 26 millions d'euros. Oui, bon, c'est récurrent. C'est un débat récurrent entre nous. Le gain de pouvoir d'achat serait absolument minime pour les personnes concernées, alors que la ressource, elle est assez essentielle pour la région, mais c'est un débat récurrent. Donc, qui est pour ? Oui, ben c'est... Qui est contre ? Donc, l'amendement est annulé, est supprimé et rejeté. Ensuite, nous avons M. Blaise pour l'amendement sur les TER. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais faire plaisir au vice-président, puisque généralement, qui aime bien, châtie bien. Et donc, concernant la SNCF, pour reprendre vos propos. Donc, après analyse des dysfonctionnements des circulations TER sur les axes sensibles, il apparaît que le prestataire SNCF est responsable de près d'un tiers des retards et autres trains supprimés sur des axes que nous connaissons bien. Je n'aurai pas l'indécence de rappeler. Cette triste situation ne peut plus perdurer.
Il convient de mettre la SNCF face à ses responsabilités. Des solutions techniques existent. Mais j'imagine sans mal M. Cinotti, si vous lui demandez, car il va vous dire qu'ils n'existent pas, et pourtant ils existent. Encore faut-il que vous les exigiez. Connaissant bien la maison de l'intérieur, par expérience, toute négociation n'aboutit que par des rapports de force au plus haut sommet de la pyramide. D'autres régions ont usé de cette pression nécessaire, de bon sens, et comme par miracle, la qualité des circulations s'est améliorée. Je donne par exemple un Paris-Rouen, un Paris-Orléans. Oui, aucune comparaison avec un Auxerre-Paris. En conséquence, notre proposition est de reporter une partie des crédits pour le matériel TER tant que la SNCF ne présente pas une amélioration réelle du service aux usagers. Il est donc proposé de reporter une somme équivalente à cette prévision en 2022 pour soutenir la SNCF de 25 millions d'euros. Cet amendement. Qui est pour ? Donc l'amendement est rejeté. Ensuite, nous avons pour une nouvelle politique de l'énergie. Et c'est Madame Grangier, peut-être, non ? Madame Grabi, pardon. Oui. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues. Donc, à l'heure où Emmanuel Macron, que vous, socialistes, verts, communistes, NUPES, Centre et LR, avez fait élire et aider pour une majorité au saccage de notre souveraineté nucléaire, à l'heure où nos compatriotes voient leur pouvoir d'achat baisser avec une inflation galopante et que nos artisans peinent à régler leurs fournisseurs et se voient disparaître pour faillite avec des factures d'énergie qui flambent, nous détectons sur votre budget plus de 50 millions d'euros d'économies faites sur vos mauvaises dépenses pour un véritable projet ambitieux où nous fléchons une enveloppe de 5 millions d'euros en direction d'une politique d'énergie vertueuse et pragmatique. Nous restons de fervents opposants à l'éolien, compte tenu de ses outrances visuelles de la bétonisation des sols et du parasitage sur la biodiversité. Nous ne tomberons pas dans le panneau du « tout et partout photovoltaïque » majoritairement importé de Chine, qui ne doit certainement pas remplacer nos bois et forêts. Avec un exemple dans le Jura, d'un champ solaire de 87 hectares entre Lons et Champagnole, où il est envisagé la déforestation de 4% des forêts sur les communes de Lulles et Mont-sur-Monnet. Quant au solaire par l'agrivoltaïsme, gare aux dérives qui utilisent l'agriculture comme un alibi et qui portent atteinte aux fonciers sur des sols agricoles et à l'activité elle-même. Donc des implantations avec parcimonie sur des zones déjà urbanisées, des toitures ou des sols artificialisés et dégradés. À ce titre, la région doit veiller que les consultations locales de nos concitoyens soient prises en compte. À la place de l'éolien et du solaire, deux sources d'énergie dangereusement intermittentes, nous proposons la géothermie, largement sous-exploitée en région. Toutes les variantes de la biomasse, avec de la méthanisation raisonnée, aux côtés des principales sources que sont le nucléaire, énergie la plus propre, pour soutenir notre filière régionale qui doit être reconstruite et développée, et de l'hydraulique avec les projets de STEP, transfert d'énergie par pompage, pour le stockage d'énergie. Nous avons un projet au Sault-Mortier dans le Jura. Continuons de promouvoir la filière hydrogène avec nos entreprises régionales présentes. Nous avons visité dernièrement l'entreprise byzantine Pressmac qui développe des lignes de process pour le cœur de la pile à hydrogène. Donc cet amendement pour favoriser l'installation, la recherche et le développement d'énergie vertueuse avec une région qui protège dans l'intérêt de nos territoires, de nos concitoyens et de nos entreprises et qui investit vers le bon sens sans idéologie. Je vous remercie. Pour cet amendement, qui est contre ? Donc, amendement rejeté, nous allons passer au débat sur l'axe 3. Fraternité, vivre ensemble. Et nous aurons sur cet axe-là
5 amendements, mais auparavant, donc qui s'inscrit dans le débat? Alors, Gilles Lazare. Donc, Monsieur Ricardetti. Oui. OK. Ici. OK. Qui s'inscrit? Alors, oui. Oui. Madame Opéra. Oui. Oui, c'est bon. Ouais. Pas sûr que tout le monde soit, mais bon. Voilà. Gilles Lazare. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je tenais à remercier les 3, peut-être 4 vice-présidents en charge de cet axe 3, qui ont fait un travail très complet. Donc en 2023, malgré les difficultés que nous traversons, la région va poursuivre son soutien aux mouvements sportifs, aux structures sportives, accompagner les territoires dans leurs investissements d'équipements sportifs. À cet égard, la région sera aux côtés, c'est un exemple, mais important, de l'AJ Auxerre, parvenue en Ligue 1 pour répondre au cahier des charges sur le stade de la Baie des Champs. Bien évidemment, ça a été souligné à plusieurs reprises, toutes les collectivités savent que ces investissements seront éco-conditionnés. D'autre part, la région sera particulièrement vigilante sur les pratiques sportives qui doivent impérativement véhiculer les valeurs de fraternité, de mixité et de laïcité. L'actualité récente doit nous conduire à être très attentifs sur les comportements sexistes et racistes dans le sport. En outre, nous prendrons toute notre place pour poursuivre le développement du sport féminin. Notons avec satisfaction les événements sportifs de haut niveau et populaires qui marqueront l'année 2023. L'accueil de la Coupe du monde de ski de fond après Manon le week-end prochain, le Tour de France masculin qui animera les territoires de Moirans en montagne et de Belfort, et la dernière ligne droite pour les JO de Paris 2024. Nous pourrons compter à la fois sur notre CREPS Bourgogne-Franche-Comté, sur ses qualités de formation de haut niveau, qui a vu durant 2022 des investissements majeurs à destination des sportifs, et bien sûr sur le site de formation de Prémanon en ski nordique. Enfin, n'oublions pas la Coupe du monde de rugby à partir du 8 septembre, qui sera, à n'en pas douter, un grand événement populaire, même si aucun match ne se déroulera sur notre région. Mais le directeur, le président, M. Rivoal, du JIP France 2023, est venu récemment au CREPS de Dijon, a constaté le haut niveau de nos installations, et donc on a décidé, en lien avec la Coupe du Monde, de faire jouer une équipe internationale au CREP de Dijon et d'organiser un match amical à Dijon fin août 2023. Je vous remercie. Franck, qui est-ce qui... Il n'y a personne d'autre qui veut intervenir. Donc, je donne la parole à M. Soustelle et M. Ricardetti. M. Ricardetti. Merci, Madame la Présidente. Je reviens donc sur votre troisième axe. Votre fraternité et votre vivre ensemble sont marqués du sceau unique de la politique de la ville, de votre politique de la ville. Les bourguignons et les franc-comtois n'en veulent pas et n'en veulent plus. Alors, je voudrais rappeler quand même quelques chiffres. La politique de la ville pour la région Bourgogne-Franche-Comté sous votre mandat, Madame Dufay, c'est 22,7 millions d'euros tout de même. Hein, voilà. Pour 58 quartiers prioritaires dans 25 communes qui rassemblent 150 000 habitants. Alors, proportionnellement, ça fait 5,3% de la population régionale. Et si on arrosait dans les mêmes termes, ce qui serait louable, hein, voilà, on devrait débourser plus de 9,8 milliards d'euros. Donc, vous voyez, proportionnellement, c'est quand même assez fantastique.
Parce que depuis 40 ans, des mêmes politiques produisent et produiront toujours les mêmes effets. Chacun peut constater au plus près de chez lui la faillite des politiques de la ville menées. Les informations locales, comme la presse quotidienne régionale, font étalage de faits toujours plus violents et de saccages de lieux de vie. Vous pourrez reconstruire dès le lendemain des saccages, financer tous les programmes et les médiateurs sociaux que vous voudrez. Vous n'aurez aucun résultat, Madame la Présidente. La bonne conscience d'une gesticulation vaine ne fera pas oublier aux Bourguignons et aux Franc-Comtois les centaines de millions versés par notre collectivité dans ce tonneau d'Edenaïde. Centaines de millions pris, bien évidemment, dans leurs poches, les poches de ceux qui triment dur et se lèvent tôt dans ces quartiers comme dans l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Non, Madame la Présidente, la fraternité et le vivre ensemble ne s'achètent pas à coups de millions d'euros. Il faudra un jour regarder la vérité en face, s'attaquer aux racines du mal qui gangrène ces quartiers. La Bourgogne et la Franche-Comté qui vivent, les Bourguignons et les Franc-Comtois qui vivent n'ont qu'une envie, c'est de s'en sauver de ces quartiers, car ils craignent pour eux et leurs familles. Je vous enjoins aussi à sortir de vos zones de confort et à aller à la rencontre de ces populations qui souffrent, et pas seulement à travers le prisme du travail social ou de l'idéologie. Et si vous les rencontrez, ils vous crieront que l'afflux de populations étrangères, sans nos codes culturels, sans volonté de les accueillir, ce n'est plus possible. Qu'avoir laissé prospérer les trafics en tout genre, en pensant les maîtriser lorsque les seuils de tolérance sociale seraient dépassés, était pure folie, digne de Pandore. Le vivre ensemble et la fraternité, Madame la Présidente, dans les quartiers, pas plus qu'elle ne se décrète, ne se vivra pas sans conditions. Les conditions sont celles-ci, entre autres. Maîtrise des flux migratoires, application des exigences républicaines de laïcité et maîtrise sécuritaire et réponse pénale ferme. Alors oui, Madame la Présidente, même si ces préalables ne sont pas de vos compétences régionales, leur mise en œuvre doit conditionner vos aides et subsides. Car quand une collectivité telle que la nôtre, acteur majeur de la politique de la ville, dira stop, chacun se trouvera en face de ses responsabilités. Aujourd'hui, il n'est plus temps de tergiverser. La fraternité et le vivre ensemble, comme la cohésion républicaine, sont à ce prix. Il faut agir vite, fermement. L'heure de la culture de l'excuse est passée. Les populations qui souffrent le réclament en Bourgogne-Franche-Comté. Et les Bourguignons et les Franc-Comtois qui payent l'exigent. Merci. Alors, Monsieur Soustelle. Oui, voilà. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Alors, votre et celle du vice-président Sauré, apparemment il n'est pas là en ce moment, de justifier votre budget primaire avec ces gels de projets opérationnels. Et j'ai entendu parler M. Sauré de solidarité, mais ce que M. Sauré n'a pas nommé, que vous n'avez pas gelé, c'est le coût que représente le règlement intérieur concernant les interventions sur les actions européennes et internationales, car on touche là au cœur de votre idéologie et qui n'apporte rien aux Bourguignons et Franc-Comtois. En effet, votre budget porte sur une ligne à hauteur de 1,5 million d'euros en engagement au titre de cette opération, et même 3,2 millions d'euros si on y inclut les engagements des années passées. Alors, il faut le dire aux Bourguignons et Franc-Comtois, ce à quoi ça correspond ces programmes que vous nous faites voter dans le huis clos des commissions permanentes. Sans parler des 50 000 euros que vous avez octroyés à une association mafieuse de migrants et trafiquants d'esclaves, n'est-ce pas, monsieur Sauré, avec vos Afghans, SOS Méditerranée qui nous fait revenir au temps du commerce triangulaire. Vous continuez à dilapider l'argent des Bourguignons et des Franc-Comtois. Et je vais vous donner quelques exemples. Pas exagérer, hein. Non. Le commerce triangulaire. Non, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Mais je suis très sérieux, Madame la Présidente. On accueille des pauvres personnes qui fuient la guerre chez eux et vous appelez ça du commerce triangulaire. Alors, vous m'avez fait perdre. Alors, vous m'avez fait perdre 20 secondes, mais je vais essayer quand même de rester dans mon temps. Donc, quelques exemples, 230 000 euros pour la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, comme si la corruption européenne n'était pas capable de payer sur son propre budget ce type de représentation, budget que les Bourguignons et Franc-Comtois payent au travers de leurs impôts. Une somme, par exemple, de 100 000 euros pour l'animation de la politique internationale où est comportée votre idéologie du développement durable à l'étranger, alors que personne ne vous a rien demandé, si ce n'est d'allonger de la monnaie pour ses destinataires, évidemment. Et on pourra citer également tout cet argent pour une citoyenneté engagée auprès des jeunes. Alors engagée, oui, moi je suis d'accord pour que les jeunes s'engagent, mais engagée pour tout
sauf pour leur région, leur patrimoine, c'est-à-dire tout ce que, par exemple, les ducs de Bourgogne et la France éternelle nous a légué dans cette magnifique région. Et après, vous vous étonnez que vous perdiez des habitants en Bourgogne-Franche-Comté, mais vous déplorez les conséquences dont vous chérissez les causes, Madame la Présidente, comme aurait dit Monsieur de Bossuet. Et je pourrais faire comme ça une liste longue comme le bras où vous financez des maisons artistiques à l'étranger, pour les étrangers. Bref, et sans parler des chartes solidaires partout au Maroc, Togo, Madagascar, Palestine. Enfin bref, 1,5 million d'euros jetés par la fenêtre pour nos concitoyens. Donc, non, Madame la Présidente, cessez de jouer à l'argent avec les Bourguignons et les Franc-Comtois. Dites clairement que l'intérêt de cette région ne vous intéresse pas et on aura gagné du temps. Je vous remercie, Madame la Présidente. Et j'assume et je signe. Madame la Présidente, fraternité et vivre ensemble. Notre groupe reste particulièrement dubitatif, voire inquiet, quant à votre proposition de budget sur cet axe 3. En effet, vous avez décidé de baisser l'aide au permis de conduire et de la passer de 500 euros à 300 euros. Pour rappel, en 2022, vous avez traité 2705 dossiers, dont 82 pour la mission locale de Beaune, dont je suis la présidente, pour un montant d'environ 1 500 000. C'est un peu plus de 500 000 euros de moins pour cette année. Notre groupe est d'autant plus surpris de cette baisse que votre premier VP, Michel Neugnot, absent, je le regrette fortement, est le président de l'Agence régionale des missions locales. Monsieur Neugnot n'est pas sans savoir que cette aide est principalement attribuée aux jeunes des missions locales. Elle permet, en plus de les soutenir financièrement, de les repérer. Nos jeunes sont nombreux à pousser les portes de ces structures car ils ont entendu parler de la fameuse prime de la région de 500 euros. Cette prime de plus a l'avantage ô combien important d'être fléchée uniquement sur les bourguignons franc-comtois. Madame la Présidente, n'y avait-il pas d'autres coupes budgétaires à réaliser avant celle-ci? Dans un climat souvent de défiance vis-à-vis de la politique, le message que vous envoyez à nos jeunes pourrait accentuer cette défiance, alors que nous devrions les soutenir, les rassurer sur leur avenir. Certains jeunes même pourraient refuser cette aide, la jugeant trop peu importante. À l'heure où je vous parle, il faut compter environ 1 500 euros pour l'obtention d'un permis. De plus, vous portez à la région la compétence mobilité. La mobilité est un véritable enjeu pour l'insertion professionnelle. Dans certains territoires, et notamment le rural, le permis de conduire est un véritable permis de travailler, et notamment pour nos jeunes. Alors que l'État pousse le déploiement des plateformes mobilité, la baisse de cette aide envoie un message contradictoire. C'est, je le regrette, affligeant et désolant. Alors, vous allez nous répondre qu'il y a d'autres financeurs. C'est certainement pour cela que vous avez augmenté le plafond des aides cumulables à 700 euros au lieu de 500 euros l'année dernière. En fait, ce sont les autres donateurs qui devront compenser votre manque de générosité. Madame la Présidente, notre groupe vous invite donc à reconsidérer cette proposition de réduction budgétaire et à suivre l'avis pertinent du Césaire qui évoque un adressé à Monsieur Gros-Perrin. Merci, Présidente. Comme Martine Deschaux vient de l'expliquer, axe 3, fraternité et vivre ensemble. Sur la forme, quant aux parcs naturels régionaux, comment pouvez-vous dire au président de PNR de Bourgogne-Franche-Comté, 12 jours avant notre budget, soit le 13 janvier, qu'il y aura un report de 6 mois sur leur crédit d'investissement lors de ce budget, et cela sous les yeux, bien sûr, des instances nationales qui sont vigilantes. Sur le fond, comment les PNR peuvent-ils ainsi affirmer leur légitimité comme partenaire fiable? Quel affichage politique donnent-ils ainsi à leurs partenaires? Je vois par exemple le PNR de Doux-Horloger qui travaille avec la Suisse. C'est un mauvais signal car les PNR en construction doivent faire preuve de leur légitimité sur leur territoire. Cette décision est grave, car ce budget met en péril les actions déjà en cours. Le PNR Doux Pays Horloger travaille actuellement avec la Suisse sur un projet culturel de résidence. Il travaille avec le département du Doubs sur un projet sur le vélo. Il travaille avec des associations sur la biodiversité. Il travaille avec le commissariat du Massif du Jura. Il travaille avec des fédérations et bien sûr, il travaille avec l'État.
Ce PNR a été installé le 4 septembre 2021 par le Premier ministre. Et suite à notre réunion d'assemblée du 16 novembre 2020. Donc vous êtes un acteur, une actrice en tout cas, importante. C'est un coup d'arrêt brutal. Les services des PNR ont travaillé depuis 9-10 mois sur leur budget, sur leurs OB, sur leur programmation. Ils ont embauché des agents pour le doux pays horloger. Ils sont passés de 6 à 14 agents. Embaucher des agents, pourquoi faire, dans la mesure où vous leur supprimez, en partie en tout cas, les perspectives d'investissement. Vous les mettez ainsi en grande difficulté. Début février, ils auront leurs OB. Début mars, ils auront le budget. Comment peuvent-ils faire cela sans supprimer ou sans risquer pour eux, soit de faire un budget insincère, parce qu'ils vont garder les opérations qu'ils ont programmées, ou soit supprimer des actions précises ou qui sont déjà engagées dans la mesure où ils ne savent pas s'ils seront financés. En tout cas, ce jour, ils sont très inquiets. On peut entendre vos explications. Ça peut s'expliquer par un budget, on l'a vu, sur les 13 régions, et notre président Gilles Platret l'avait dit lors des OB, sur les 13 régions, il y a 10 régions qui ont voté leur budget, il y a 2 régions qui ne l'ont pas encore voté, mis à part la Corse exceptée. C'est la Bretagne. Et lorsqu'on entend le président du Conseil régional de Bretagne qui nous dit « la difficulté de faire son budget est due essentiellement à son assemblée composite », moi je m'interroge si notre difficulté à nous n'est pas aussi due à cette assemblée composite. Comment allons-nous faire? Comment vont-ils faire pour présenter leurs OB et en tout cas leur budget? Quand sauront-ils le montant de ces crédits? Quand sauront-ils le montant de ces crédits? Il est important en tout cas est nécessaire d'être rassuré. Vous devez aujourd'hui les rassurer parce qu'ils ne savent pas s'ils auront des crédits et quel sera le montant. Et enfin, vous demandez à l'État de vous respecter, et vous avez raison, Madame la Présidente, mais vous devez à votre tour les respecter car ce sont des acteurs incontournables de notre territoire. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres inscrits. Hein. Ah. Isabelle Truffol. Madame Sado. Ça marche? Non, ça marche. J'ai 2 sujets à aborder pour le compte de notre groupe. Donc, je vais les faire à la suite l'une de l'autre, si ça ne vous ennuie pas, parce que je parle 2 fois en réalité. Le premier sujet concerne l'inquiétude qui est la nôtre sur l'avenir des territoires ruraux et sur la capacité des petites collectivités à assumer des dépenses de fonctionnement auxquelles elles doivent faire face. Les habitants qui choisissent de vivre dans les territoires ruraux doivent pouvoir bénéficier d'un service public de qualité. Certes, vous proposez des contrats territorialisés, mais il faut pouvoir mobiliser le reste à charge. Et c'est d'investissement que sont destinés ces contrats territorialisés. Et pour le fonctionnement, il en va différemment. Et vous n'êtes pas sans savoir que les petites villes ont beaucoup de mal à boucler leur budget, notamment les budgets de fonctionnement en cette année 2023. Certes, les communes ou les EPCI peuvent avoir accès à des crédits européens, mais la lourdeur et la longueur de l'instruction des dossiers, voire la difficulté liée aux critères posés, ne permettent pas à tous d'accéder à certaines actions, et notamment à des actions en matière culturelle. Certaines collectivités ne peuvent pas voir leur budget retenu pour ces questions-là. C'est long alors qu'il y a urgence. Il faudrait simplifier et rendre ces crédits accessibles à tous. Par ailleurs, concernant la culture, nous observons que l'action culturelle est fléchée en direction des grosses structures, tant en investissement qu'en fonctionnement. Par exemple, les 10 projets pour le dispositif IDIL pour le territoire régional, c'est bien peu. On a tellement besoin de culture dans les territoires ruraux, dans tous les territoires, et pour les qui actuellement ont des difficultés, il est impossible d'attendre l'instruction de dossiers 1 an ou 2 ans. Ça, c'était le premier sujet que je souhaitais évoquer. Le deuxième concerne la santé. La compétence en matière de santé relève de l'État, mais le sujet principal, au-delà de l'investissement qui préoccupe les établissements de santé et l'ensemble des
des Français, c'est les ressources humaines dans les établissements de santé. Ces ressources humaines tiennent bien sûr aux médecins, et je ne parlerai pas ici des médecins qui ne relèvent pas vraiment de notre compétence, même si l'attractivité des territoires pour attirer des médecins est une priorité, bien sûr, mais je voudrais parler ici des infirmiers et des aides-soignants, des formations qui sont de la compétence de la région. Il conviendrait d'augmenter les crédits destinés aux IFSI et à l'apprentissage pour ces métiers. Les crédits alloués dans certains IFSI sont en réduction pour 2023, alors qu'ils devraient être en augmentation. Notamment, j'ai presque fini, notamment parce que... Mais je fais deux interventions. Madame Sadon, vous pouvez continuer. Si j'ai fait un geste, ce n'est pas du tout pour vous dire que vous étiez trop longue. C'est simplement que je m'offusque parce qu'on ne baisse pas les crédits dans les IFSI. Hein. Alors, mais ce n'est pas ce qui m'a été rapporté, Madame la Présidente. D'accord. Alors, continuez, Madame Sadon. Je peux vous parler notamment d'un établissement qui n'est pas celui que je préside, qui est un autre d'ailleurs, mais d'un établissement pour lequel les crédits sont réduits, et c'est l'hôpital, le centre hospitalier, qui doit financer la différence, hein, vous êtes d'accord avec moi, la différence, alors qu'on sait très bien qu'actuellement, les établissements hospitaliers ont beaucoup de difficultés et ont la plupart, en plus, des exercices extrêmement déficitaires. Et la question est très importante parce qu'elle relève de nous, même si c'est de la santé, encore une fois que ce n'est pas l'État, mais en tout cas, là, sur les questions de formation, il ne s'agit pas d'aller prendre sur des crédits destinés à l'activité normale des établissements de santé, d'enlever ces crédits pour les mettre sur de la formation qui relève de la région. Je me tiens à votre disposition pour préciser le dernier point, si vous le souhaitez, qui concerne notamment le centre hospitalier de Dole. Mais on vous répondra tout à l'heure, Madame Sadon. Jamila Absaoui. Oui, merci, Madame la Présidente. Chers collègues, donc mon intervention concerne l'aménagement du territoire. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler quelques éléments indispensables. La région a revisité effectivement ses dispositifs d'intervention afin de renforcer ses trois grands axes et priorités. Il est nécessaire de les rappeler. Première grande priorité, il s'agit des transitions écologiques, environnementales et numériques. Deuxième priorité, le renforcement des centralités. Enfin, troisième priorité, le développement des coopérations. Je ne reviendrai pas sur le Stradet, bien entendu, qui n'est pas suspendu. Nous l'avons largement débattu. Il est nécessaire de rappeler les axes de quartiers prioritaires. Il s'agit de mettre en place la nouvelle politique de quartier avec le fonds d'aide aux projets. L'objectif étant d'accompagner les projets associatifs ou communaux dans les domaines de l'emploi, de la formation, d'insertion, d'animation, d'environnement ou de santé. L'axe centralité. Il s'agit de continuer de mettre en place les projets en stock, le projet de bourg-centre, et ensuite, parallèlement, de déployer la nouvelle politique de revitalisation des 126 centralités rurales. Et je rappelle que 33 conventions ont déjà été validées. L'objectif étant d'améliorer les espaces publics, les fonctions d'habitabilité, les équipements de services à la population et le renouvellement du commerce de proximité. L'axe territoire de projet. Finir de signer les 35 contrats territoire qui représenteront 160 millions d'euros d'ici 2026. L'objectif étant d'accompagner les territoires dans les thématiques d'attractivité, de transition écologique et numérique, et du quotidien comme la santé et les mobilités. Également, un soutien à l'ingénierie territoriale, puisque 3 à 4 postes pour les territoires les plus fragiles sont fléchés. La région a mis en place un système de différenciation, toujours pour donner plus à ceux qui en ont moins. Je rappelle que c'était une ligne de conduite dès le début de mandat que l'on continue de suivre pendant ce mandat. Enfin, l'axe ruralité, avec la poursuite du dispositif « Village du futur », 9 communes sont concernées, et je rappelle que c'est un dispositif expérimental sur notre région Bourgogne-Franche-Comté, et le déploiement des fonds européens dédiés à la ruralité. Rappelle, 75 millions d'euros d'ici 2027. L'objectif étant de soutenir les projets numériques, les mobilités douces, le renouvellement urbain et le patrimoine et tourisme. La situation de crise rappelle
permet à la région de décider de recentrer ses priorités et va donc traiter les dossiers en vie en cours dans le cas de la ruralité, avec bien entendu une pause comme il a été annoncé tout à l'heure, mais un retour dès le deuxième semestre. Voilà, quelques rappels qui étaient donc nécessaires pour l'aménagement du territoire. Merci. Merci. Isabelle Poifol. Madame la Présidente, chers collègues, je veux aborder ici quelques éléments concernant la politique culturelle, car dans un contexte sociétal très marqué par la suite de crises qui impactent notre pays, les politiques qui apportent du mieux vivre sur nos territoires sont plus que jamais fondamentales. Nous avons donc pour 2023 un budget culture à 27,5 millions d'euros, budget ambitieux, volontaire, assumé, et comme l'a dit Nicolas Sauret, notre VP Finance tout à l'heure, c'est un budget sanctuarisé, on peut le reconnaître. Le budget de fonctionnement est préservé à plus de 19 millions d'euros et permet aux structures culturelles, aux réseaux, aux compagnies et aux manifestations d'être aidés au même niveau que 2022. Et cela malgré la situation difficile que nous affrontons. Car notre objectif est aussi de faire jouer pleinement la culture, son rôle de lien social dans la lutte contre l'exclusion et de contribuer ainsi à la démocratisation culturelle, quoi qu'en disent certains. Pour cela, nous mettons en œuvre les premières préconisations issues de la concertation qui a été menée en 2022. Cette concertation, avec près de 300 acteurs culturels, a permis de partager l'identification des priorités post-crise et de définir ensemble les axes qui permettront de répondre aux attentes non seulement du secteur, mais surtout les attentes de l'ensemble des habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Et les chantiers verront les premières mises en œuvre en 2023. Nous allons renforcer l'accès aux œuvres, aux sites et aux équipes artistiques sur l'ensemble du territoire grâce à des dispositifs de soutien au développement culturel et au spectacle vivant qui sont poursuivis. Ainsi, nous avons une dotation globale au spectacle vivant à près de 5 millions d'euros, en légère augmentation par rapport à celle de 2022. Nous avons aussi une nouvelle approche pour le développement culturel des territoires, dont les festivals, avec une dotation à plus de 3 millions d'euros, aussi en légère hausse par rapport à 2022. Nous favorisons et soutenons la création culturelle en accompagnant les artistes et les compagnies, qu'ils soient émergents ou déjà repérés, par des dispositifs dédiés. Et enfin, nous initions la structuration de la filière patrimoine, car le patrimoine est un bien commun dont la région veut renforcer l'appropriation par ses habitants. Et malgré le freinage dont nous avons parlé tout à l'heure, nous maintenons une enveloppe de près de 1 million sur la restauration du patrimoine. Nous avons une réflexion relative à la promotion des métiers d'art et du patrimoine qui va être menée. Et le service inventaire et patrimoine de la région va contribuer à enrichir le fonds documentaire et photographique régional. Il lui a donné davantage de visibilité par le portail numérique mis en œuvre en avril 2022 et cela va continuer. Et la publication de l'étude sur le thermalisme est prévue aussi et mettra en valeur notre région en 2023. Ainsi, pour conclure, parce que les freins à l'accessibilité à la culture sont nombreux du fait des inégalités qui persistent, qu'elles soient géographiques, sociales ou financières, l'enjeu de notre région est bien de promouvoir une culture pour tous et ses choix politiques en sont la preuve. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je donnerai peut-être tout à l'heure la parole à la vice-présidente à la culture pour continuer, mais... Donc maintenant, je vais donner la parole aux vice-présidents successifs, Éric Coulet, Patrick Molinos, Sarah Persil, Sandra Yannicelli et Nathalie Leblanc, hein, pour qu'ils s'inscrivent dans le débat qui vient d'avoir lieu. Et Willy Bourgeois, ouais, on a parlé de sport ? Mais on peut te laisser parler de sport. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, on a parlé du rugby, hein. Oui, oui, très bien. Alors, tu clôtureras le banc. Alors,
Éric Coulet, parce qu'il a été question de l'aménagement rural et des PNR, de la politique de la ville, des petites communes rurales. Oui, Madame la Présidente, donc je vais essayer de répondre successivement à Monsieur Ricardetti sur la politique de la ville, à Monsieur Grosperrin sur les parcs naturels régionaux et à Madame Sadon sur le sort des petites villes et des territoires ruraux, leurs difficultés de fonctionnement. Voilà pour l'essentiel de ce que j'ai relevé dans les interventions des groupes. À Monsieur Ricardetti, que vais-je pouvoir dire ? Son intervention sur la politique de la ville, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue. Hein. Au risque de me répéter, mais il l'a lui-même souligné, et donc ça veut dire peut-être que voilà, il y a quand même des échanges qui portent leurs fruits. La région Bourgogne-Franche-Comté, elle contribue à la rénovation urbaine de ses quartiers. Je pense qu'au Banlay, aux environs, dans des quartiers comme les Grésils, elle joue un rôle utile pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens qui y vivent. Par ailleurs, la politique de la ville, elle porte aussi sur des actions de cohésion sociale qui peuvent avoir trait à l'emploi, à l'environnement, à la culture, au sport. Et moi, je considère que ces interventions dans les 27 cités concernées par la politique de la ville en Bourgogne-Franche-Comté, dans les 58 quartiers d'habitat social, ces interventions, elles sont utiles, elles ont toute leur légitimité et elles contribuent à la politique de différenciation territoriale souhaitée par la présidente au début de cette mandature, donner plus à ceux qui ont le moins. Moi, je considère que les questions soulevées par M. Ricardetti sont des questions régaliennes, les problèmes de sécurité, de trafic, problèmes qui se posent dans ces quartiers. Moi, je ne les nie pas, mais pas que dans ces quartiers, mais dans ces quartiers en particulier, relèvent de la compétence de l'État et pas de la région. Ce n'est pas pour me défausser, mais c'est une réalité. À chacun son rôle. Nous, on essaye d'apporter une plus-value à travers nos politiques, à la fois en matière de rénovation urbaine et de cohésion sociale. On a eu l'occasion avec Loïc Niepceron ces derniers mois de faire une tournée de ces quartiers. On a pu y voir quand même les trésors d'initiatives qui existaient en leur sein. On a pu recueillir aussi les souhaits, d'où la modification du fonds d'aide au projet que l'on vous propose au cours de cette